Allez, c'est parti. Du coup, Franck, je te laisse commencer. Ouais, on fait juste les présentations rapides. Bon, de toute manière, je crois qu'avec tous ceux que je vois connectés, je crois qu'on se connaît tous. Donc, bah, moi, c'est Franck Avarambon, comme je crois que tout le monde le sait. Donc, salarié pour la Ligue Occitanie de volley. Donc, moi, je travaille à temps plein pour la Ligue. Hein. C'est mon seul boulot. Je ne travaille pas en club. Enfin, là, je finis un coup de main cette année sur la N3 à Balma en féminin, mais c'est tout. J'arrête cette année là, le club pour me consacrer bah, à mon travail de ligue et à ma vie familiale. Donc voilà. Et sur le CRE, donc, bah, j'étais en Languedoc, le Roussillon à l'époque. Ça fait maintenant 6 ans, j'étais sur les garçons. J'ai fait deux ans de garçon en Languedoc. Ensuite, je suis passé en Midi-Pyrénées où j'ai depuis Midi-Pyrénées et maintenant Occitanie, donc maintenant sur le secteur féminin. J'ai arrêté le secteur masculin. Voilà, pour faire bref. Christophe. Bon, bonjour à tous. Donc moi j'interviens sur le CRE PACA et avant sur le CRE Ligue Côte d'Azur. Voilà, depuis 2007. Donc une partie sur l'équipe 2 jusqu'en 2009 et après depuis sur l'équipe 1 depuis 2010. Voilà. Clément. Ouais. Bonjour à tous, donc moi c'est Clément Sattler, je suis salarié au club du Volley Saint-Vitois, c'est un petit club à côté de Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, donc j'interviens aussi depuis 5 ans maintenant, sur le centre régional, sur les garçons essentiellement, j'ai fait au début les M15 et maintenant les M17. Nickel. Du coup, je vais suivre ma liste. Isaline? Bonjour à tous. Alors moi, je n'entraîne pas dans un CRE, j'entraîne pas de jeunes. Je suis vraiment là pour apprendre et pour échanger. Je suis joueuse pour le moment au Stade Français Paris Saint-Cloud, enfin plus pour longtemps. Et voilà. Je suis en train de faire toutes mes formations d'entraîneur depuis plusieurs années maintenant. Et je commence à vraiment m'orienter vers le secteur jeune. Ça m'intéresse grandement, donc avec ces conférences, j'apprends tout un tas de choses et j'ai soif d'apprentissage, donc je suis très contente d'être avec vous ce matin. Voilà. Gilles. Bonjour à tous, Gilles Cuesta, anciennement agent de développement des Bouches-du-Rhône, poste que j'ai quitté il y a 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. J'ai été sur le centre régional Provence pendant un peu plus de 10 ans. Et voilà, maintenant je suis sur le secteur jeune, sur le club de Vitrolles. Voilà. Violaine, du coup. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui, ouais, c'est bon. J'avais un écho qui me revient. Moi, je suis entraîneur sur Fréjus, donc les garçons maintenant depuis 3 ans. Je m'occupe aussi du comité du Var sur les filles, sur la sélection M12, et aussi sur le centre régional PACA, moi côté féminin. Voilà, donc depuis 3 ans, je crois aussi. J'avais fait depuis longtemps déjà, je l'avais déjà fait, après je me suis arrêtée et j'ai repris il y a 3 ans. Voilà, donc moi je suis un petit peu là pour voir un petit peu l'expérience de chacun et puis échanger. Voilà, tout simplement. Et Ewen, c'est comme ça qu'on dit? Bonjour, oui, c'est comme ça. Ewen, je suis salarié au club de Pipriac en Ille-et-Vilaine. Je suis sur le CRE garçon depuis 4 ans maintenant et je venais ici pour confronter un peu mes idées avec les vôtres et voir comment vous fonctionnez dans vos régions. Du coup, Alain. Je mets la caméra. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Hein. Je sais pas. Alors, Alain Fossi, je suis salarié au volleyball Pexinois-Niort dans le Poitou-Charentes et j'ai une petite partie aussi de contrat avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine, dont j'interviens dans le CRE, section de la Venise Verte, sur le secteur féminin. J'entraîne la N2 masculine au VBPM et puis entraîneur des M17. Voilà, donc je connais pas mal de monde, Franck. Et voilà, je suis là ce matin pour partager et puis
échanger, quoi, débit, voir apprendre et tout un chacun, voilà. Super. Alors, moi, c'est Manu Cézélia. Je suis anciennement de la Ligue Île-de-France, donc sur les CRE M17 et M15 de la Ligue Île-de-France pendant 7-8 ans. Et là, je suis dans les Bouches-du-Rhône. Maintenant, je viens d'arriver en début d'année. Voilà. Franck, je te laisse. Tu veux commencer ? Qui commence ? Si tu veux, pour information, à côté de moi, il y a Antoine Couturier du club de l'Arago de 7. Voilà. Qui suit avec nous la conférence. On l'a vu qui se passait derrière. En revanche, il n'y a pas un mètre là. On va falloir s'espacer un petit peu. Ah oui, c'est pas faux. Il y a un mètre. Regarde, je tends le bras, je ne touche pas. Normalement, tu dois tendre le pied pour être sûr. Si je prends un pied, c'est bon. Tu es trop près. Donc, tu voulais que je commence, Manu, c'est ça ? Comme tu veux ou qu'est fait celui qui veut. Ça ne me dérange pas. Je vais essayer de vous partager l'écran, ce que j'ai fait pour essayer de rien oublier. Je vous ai fait une petite présentation rapide du CRE. Vous l'avez l'écran partagé, c'est bon ? Ouais, c'est nickel. Ouais, c'est bon. Je vous ai fait une petite présentation rapide du CRE, donc côté Occitanie. Là, je vais vous parler essentiellement du côté, enfin pas essentiellement, que du côté féminin. Parce que les garçons, en fait, chez nous, c'est particulier vu qu'on avait plus de... on n'a qu'un seul Krebs où on peut s'entraîner maintenant, parce qu'à Toulouse, avec l'IF et les deux équipes de l'IF, on n'a plus de place à Toulouse, donc on est obligé de faire que Montpellier. Donc du coup, on ne peut pas faire en même temps les garçons et les filles. Donc je connais un petit peu moins maintenant le fonctionnement des garçons, même si on en discute. Hein, donc je vais surtout vous parler de ce que je connais moi le plus, c'est-à-dire nous, le secteur féminin. Donc déjà... Déjà, il ne veut pas avancer. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas ? Donc déjà, la Ligue Occitanie, on est sur 13 départements. On n'en a que 11 actifs. Voilà, on est cette année sur 9760 licenciés, sachant qu'on est en perte de licenciés. Hein. On en perd plus de 500 cette année. Donc là, il va falloir qu'on retravaille un peu mieux sur le développement. Je vous ai mis les chiffres globalement pour vous montrer que en jeunes, on a beaucoup plus de filles que de garçons. On est vraiment sur un secteur féminin. Malgré le fait que les garçons performent en général plutôt bien en club et en sélection régionale. Mais ça, sélection régionale, c'est pour ça notamment que Clément nous fera l'honneur de son intervention, parce que ce n'est pas du tout pareil de travailler en Occitanie, en PACA, qu'en Bourgogne, à mon avis. Donc nous, au niveau de l'organisation annuelle, on travaille sur deux journées de sélection. Une première qu'on fait en juin, avec le matin les joueuses de l'Ouest et l'après-midi les joueuses de l'Est. Pourquoi cette organisation ? Parce qu'en général, les joueuses de l'Est, c'est-à-dire côté Languedoc-Roussillon, ont souvent un meilleur niveau technique. On a souvent plus de joueuses ex-Languedoc-Roussillon dans les sélections que de joueuses ex-Midi-Pyrénées. Donc c'est pour ça qu'on commence en général par le côté ouest. À savoir que sur ces journées de sélection, on a en général 50 filles de l'Est, 50 filles de l'Ouest qui viennent se présenter. En septembre, on refait une journée de sélection pour les filles qu'on aurait ratées, qui n'auraient pas pu être là en juin, ou éventuellement des nouvelles volleyeuses qui arriveraient. Ensuite, cette année, on a travaillé, donc là on s'est calqué sur notre ami Ewen, hein, sur la Bretagne, avec un stage en été. C'est la première fois qu'on le faisait cette année au mois d'août. Derrière, on fait Toussaint, Noël, février et avril, hein, comme tout le monde, j'imagine. Sachant que nous, on travaille sur 3 jours et demi. On est du mardi après-midi, en général, jusqu'au vendredi après-midi. Tout simplement pour des questions de localisation. Parce qu'avant, quand on était en Midi-Pyrénées ou en Languedoc, non, eux, ils faisaient 3 jours et demi dans tous les cas, mais nous, on était sur 4 jours. Mais aujourd'hui, une fille qui vient du fin fond de Midi-Pyrénées pour venir au Krebs de Montpellier, elle a 3 heures, 3 heures et demi de voyage. Donc, on ne peut pas commencer le matin. Voilà pour l'explication. Si je vais trop vite ou quoi, vous m'arrêtez. Donc, on est en stage au Krebs de Montpellier, donc hébergement, restauration sur place. On travaille à 5 cadres. Donc, on a Caroline Trinquier, l'entraîneur du pôle de Montpellier féminin. Nicolas Frolig, également l'adjoint de Caro au pôle. Luc Bonamy, qui bosse avec moi. Enfin, avec moi. On travaille ensemble, mais sur la compétition, il travaille avec moi.
et Philippe Salvant, donc notre CTS qui chapeaute tout ça. Voilà, donc nous on a l'avantage aussi d'avoir d'être sur les locaux du pôle France masculin et des pôles espoir. Donc du coup on a accès aux cibles de passe, on a accès à tout le matériel pédas. Hein. Si on veut de la machine à ballon, on a des machines à ballon. Enfin voilà, on a la chance d'avoir tout sur place. Donc les objectifs du CRE au niveau de l'Occitanie, donc d'abord un développement régional. Notamment pour des joueuses de clubs isolés. Je peux prendre un exemple, je ne sais pas, un club de Rodez, par exemple, où il y a peu de volets, mais il y en a, mais il y en a peu. Donc, si une joueuse sort un petit peu du lot, on se doit de la prendre avec nous pour lui permettre de pouvoir évoluer plus rapidement, parce qu'en club, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, bien sûr, la formation de la jeune joueuse pour amener chacune à son meilleur niveau. Et ensuite, la formation d'une équipe une performante pour les volleyades, puisque ça reste quand même une vitrine, hein, les volleyades, hein, comme pour les ligues qui ont beaucoup de licenciés, entre guillemets, comme le PACA, l'Île-de-France, l'Occitanie, la Bretagne, enfin voilà, toutes ces grandes ligues. C'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir une équipe une costaud. Et ensuite, la détection, la formation des potentiels pour le haut niveau, pour ensuite amener sur la DTN. Et les amener ensuite sur les pôles si on a des gabarits, si on a des filles intéressantes à ce niveau-là. Ce qu'on essaye de bosser, de développer sur le CRE, donc c'est tout ce qui est savoir-être et le savoir s'entraîner. On a beaucoup insisté là-dessus cette année, d'autant plus avec le rajeunissement à des filles à 14 ans, parce qu'on a vu réellement une grosse différence. Donc on travaille bien sûr sur tout ce qui est de la ponctualité, de la discipline, de respect sur et en dehors du terrain. De la gestion des blessures, parce qu'à cet âge-là, ça a du mal à dire quand elles sont blessées ou peur de ne pas être sélectionnées le coup d'après ou des blessures mal gérées, mal soignées, parce que souvent, dans les « entre guillemets petits clubs », on croit que ça va passer tout seul une blessure. Or, ce n'est pas le cas, donc ça fait partie intégrante de notre rôle d'apprendre aux joueuses et aux joueurs à faire cet apprentissage-là aussi. Ensuite, l'esprit de groupe sur et en dehors du terrain, des petites choses toutes bêtes, mais pour aller manger, le groupe n'a pas le droit d'aller manger s'il manque une joueuse. Toutes ces petites choses où on a envie d'habituer les joueuses, on est dans un sport co, donc il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Communication sur et en dehors du terrain et tout ce qui est prise d'autonomie, donc nous par exemple l'utilisation du téléphone portable. On leur laisse le téléphone une heure et demie, on va dire à peu près le soir, pour appeler papa-maman. Mais tout le reste de la journée, les téléphones, c'est nous qui les avons et les joueuses, les joueurs ne s'en servent pas. On leur demande de venir avec une montre ou un réveil pour qu'ils soient en pleine autonomie. En fait, au départ, on les réveillait et puis on a décidé qu'à un moment, fallait leur apprendre aussi à être un peu des grandes filles, même si elles n'ont que 13-14 ans. Et voilà, elle se gère avec les réveils. Certaines vont réveiller les autres, etc. Donc, chose super importante qu'on a voulu mettre en place aussi, c'est pourquoi je viens à l'entraînement. Que les filles soient conscientes du fait de est-ce que je viens à l'entraînement ou est-ce que je viens m'entraîner? Qu'est-ce que je viens faire en fait au CRE ou même après en club, pour aller plus loin. Mais est-ce que je viens juste jouer avec mes copines? Est-ce que je viens juste être là parce qu'il faut être là et qu'il faut écouter les coachs? Ou est-ce que je suis capable de me fixer des objectifs personnels pour me dire, voilà, aujourd'hui, je sais que je travaille la recette. Moi, aujourd'hui, personnellement, je veux sortir avec cette acquisition-là à la fin de la séance. Ou au moins avoir commencé à avoir cette acquisition-là. Oui, je vous ai mis la règle des trois pas. En fait, on a instauré, j'ai ramené ça du Québec. J'avais trouvé ça très, très sympa au Québec. La règle des trois pas, c'est-à-dire qu'on a le droit à trois pas marchés dans le gymnase et tout le reste doit être couru. Donc, c'est pour optimiser le temps d'entraînement, notamment sur les pauses boissons, toutes ces choses-là. J'ai le droit à trois pas marchés et ensuite j'y vais en courant et je reviens en courant et voilà. Comme ça, on gagne vraiment du temps sur le temps d'entraînement. Si je vais trop vite, vous me dites, n'hésitez pas, c'est que je ne veux pas prendre trop de temps pour mes collègues non plus. Donc après, pareil, apprendre à écouter l'entraîneur, se concentrer sur ce qu'on demande, parce que souvent, en fait, ils entendent, mais ils n'écoutent pas forcément.
sur des consignes précises. Si on demande de sortir le plateau tôt, on veut qu'on sorte le plateau tôt, on se fiche de savoir où va aller le ballon à la fin. Et ça, c'est super compliqué de leur faire comprendre ça. Parce qu'elles sont beaucoup sur le, bah, sur le, la globalité de l'action et sur le qu'est-ce que va faire mon ballon à la fin. Donc nous, on est vraiment sur cet apprentissage-là d'essayer de leur de sortir de ça en fait, de les féliciter en permanence si elles réalisent le bon geste. Et encore une fois, peu importe où va le ballon à la fin. Donc voilà, s'attacher à effectuer cette tâche et pas une autre, être capable de se focaliser sur la commande. Et là aussi, par rapport au rajeunissement d'âge, on s'est aperçu en fait que le temps de concentration, la capacité de concentration était vraiment proportionnelle à l'âge. Et plus on est sur les jeunes, parce qu'on a pris de la 2008 cette année notamment, qui sont en âge des mini-volleyades, plus c'est jeune et plus le temps de concentration est faible. Et donc c'est beaucoup plus difficile. Également, on estime nous que notre rôle de CRE, c'est aussi l'entraînement invisible. Parce qu'en club, on n'a pas forcément le temps d'utiliser toutes ces choses-là, enfin de leur apprendre toutes ces choses-là. Tout ce qui est notion des temps de repos, même si c'est difficile, hein, parce que c'est des chambres de 4, hein, donc on sait très bien que des fois, ça déconne, hein, on le sait, hein, mais on est passé par là aussi, hein, la plupart. Tout ce qui est aussi la nutrition, savoir manger correctement pour pouvoir, un, récupérer, et deux, être prêt aussi pour l'entraînement suivant. Et ensuite, donc, nous, comment on s'organise ? Donc je vous ai dit, on est 5 à entraîner. J'ai pas précisé sur les stages, je sais plus si je l'ai précisé, mais sur les 3 premiers stages cette année, on était sur 35. Donc on a essayé de travailler vraiment sur beaucoup de joueuses, un maximum de joueuses, et ensuite on commençait à diminuer à partir de février et ensuite à avril où là on se rapproche de la compétition, hein. Donc février, on serait passé plus sur du 24, entre 24 et 30 grand max. Et avril, là, on arrive sur les 20 joueuses qui vont participer à la compétition. Donc, matin, on travaille sur les fondamentaux techniques, sachant qu'on avait la particularité cette année, on a essayé quelque chose qui était d'avoir des situations redondantes. C'est-à-dire que sur une semaine de stage, par exemple, en fait, on calait tous les matins, on calait du service, de la récep, de l'attaque et de la passe de non-passeur. Donc un petit peu de fond de jeu, et en fait on avait un temps défini tous les jours, et tous les jours en fait on faisait la même séance ou quasiment la même séance avec peu de modifications. On a essayé ça cette année avec l'objectif en fait d'enlever la contrainte de comprendre la situation pour les joueuses. Donc le premier jour est long, le deuxième ça va mieux. Et voilà, en fait, de juste pouvoir se focaliser sur la technique demandée. Donc, on modifiait un petit peu la gestuelle technique tous les jours, mais par contre, on gardait la même situation pour gagner du temps sur la mise en place et encore une fois, pour qu'elles comprennent plus rapidement les choses. Voilà, et encore une fois, peu de consignes. Donc, une chose simple, par exemple, ouverture de l'appui en même temps que la présentation du plateau en simultané. Donc, on travaillait que sur ça pendant une demi-heure de réception. Par exemple, on n'était que là-dessus. L'après-midi, on était donc sur de la phase beaucoup plus jouée, mais sur la retranscription de ce qu'on avait fait le matin au niveau des fondamentaux. Donc voilà. Initiation à la prépa physique, un petit peu sous, je ne sais pas si vous avez connu un petit peu les stages d'ETN avec Olivier Audabran, qui le matin à 6h, 6h30 faisait un décrassage musculaire. Nous, on a essayé de faire ça aussi. Donc plutôt intéressant, même à ce stage-là. Petit circuit training avant le petit déjeuner et après une séance le matin, petit déjeuner, une séance un peu plus courte le matin. Beaucoup de travail de culture volley aussi cette année, on a regardé les matchs d'équipe de France féminine notamment sur le championnat d'Europe. On a des petits quiz justement sur qu'est-ce que vous avez remarqué, quel est le rôle de la libéro, que fait le passeur ou la passeuse, enfin voilà, des petits thèmes donnés aux joueuses pour essayer de leur faire comprendre un peu notre sport, quoi, tout simplement. Et une formation arbitrage qu'elle a avec. Notamment qu'elle comprenne les rotations et les fautes de position, parce qu'encore une fois, on est sur une catégorie maintenant où certaines filles jouent encore en 4-4, donc
ou même en 2-2. Donc, les amener à ça. Et ensuite, sur les derniers stages, donc là, on n'a pas pu le faire cette année, hein, comme vous, mais mise en situation de compétition, c'est-à-dire que, bah, voilà, il y a match à 8h30 au volleyade, bah, nous, on s'entraîne aussi pendant le CRE à les faire lever plus tôt, à prendre un petit déjeuner un petit peu à la hâte, comme on fait au volleyade, hein, et puis derrière, enchaîner bah, sur un échauffement un peu plus court, temps de prépa, etc. Donc, voilà l'idée globale pour nous, en tout cas, cette année. J'ai essayé de ne pas trop prendre de temps à tout le monde. Et j'ai essayé d'être clair. J'espère que ça a été le cas. Est-ce que déjà, il y en a qui veulent poser des questions à Franck, du coup ? Ça peut être intéressant. Vas-y, Violaine. Juste par rapport à Franck, tu disais que bon, nous, on l'a mis aussi en place en PACA, donc je pense que Christophe lui en parlera. Mais le fait que vous ayez mis en place donc, le décrassage du matin avant le petit déjeuner, c'était la première année. Ouais. Ouais. Par rapport aux autres années, les autres années, vous faisiez quelque chose. Comment vous fonctionnez alors les autres années? On faisait séance basique le matin en fait après le petit déjeuner normalement. Matin, après-midi et soir aussi vous aviez quelque alors, chose. Alors le soir. Ah oui tiens oui ça j'en ai pas parlé t'as raison. Non nous on fonctionne que matin après-midi. Il y a que le premier jour en fait vu qu'elles arrivent le mardi après-midi. On fait mardi après-midi, mardi soir. Mais sur une séance light, en général, c'est du service, voilà, pas physiquement épuisant. Mais par contre, les autres jours, on travaille que matin après-midi. Et ça, c'est spécifique à Occitanie, parce que moi, quand j'étais en Midi-Pyrénées, on faisait matin après-midi soir. Sur des séances courtes, encore une fois, hein, le soir. Mais là, par contre, on fait des séances longues hein, quand même. On fait des séances qui vont faire quasiment 3h, 3h30 des fois. Avec sieste obligatoire. Okay. Et le fait d'avoir... Et le fait d'avoir fait le décrassage le matin, est-ce que vous avez eu un retour des joueuses, savoir comment elles avaient vécu ça cette année par rapport à la saison précédente, s'il y en avait eu qui ont fait les deux fonctionnements? On ne l'a pas fait tous les jours, on l'a fait une fois par stage à tout casser, hein. C'était vraiment un essai. Écoute, le retour des joueuses, bah, c'est tôt, parce qu'on le faisait, que je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises. Je pense que c'était 7h, 8h où on faisait le décrassage. Derrière, on enchaînait petit-déj et on s'entraînait à 10h, si je ne me trompe pas. Et on faisait 10-12. Donc, bah nous, en tout cas, on a vu du positif sur la séance de 10h. Parce qu'elles arrivaient beaucoup plus à même de s'entraîner rapidement. Nous, en tout cas, on l'a vu. Mmh. Mais après, point, on l'a fait qu'une fois par stage parce que ça reste des très jeunes et physiquement, c'est dur. Et physiquement, ouais, c'est dur de les faire lever tous les jours quand même pendant 4 jours à 6h30. Quoi. Si je peux me permettre, Violaine, nous en Bretagne, on fonctionne comme Franck. Sauf que nous, on fait tous les matins réveil musculaire de 6h45 à 7h45 chez les garçons. Et du coup, on fait entraînement, donc réveil musculaire le matin, entraînement le matin de 10h à midi et demi, 13h. Et l'après-midi, hein, 16h, 19h, pas d'entraînement le soir. On a trouvé qu'entre l'année dernière, où on fonctionnait comme avant, matin, midi et soir, on a trouvé de la qualité. Sur les séances, on a trouvé les joueurs moins fatigués. La séance du matin était super, celle de 10h, midi et demi, parce que, comme disait Franck, ben, les joueurs étaient prêts à s'entraîner. Du coup, on gagnait beaucoup de temps. Et le soir, donc on fait aussi des soirées culture volley. Et ça a été hyper apprécié chez les jeunes. Et ce qui fait aussi qu'ils se couchent plus tôt. Parce que quand tu t'entraînes le soir, et ben, le temps qu'ils aillent se coucher, le temps que la pression redescende un peu, que le corps se refroidisse, et ben, ils ne sont pas couchés avant 23h, 23h30. Et là, en l'occurrence, nous, à 22h, ils étaient au lit et ils dormaient. Donc, nous, on a trouvé le principe vraiment bien et on va continuer. On a demandé aux jeunes qui ont fait les CRE l'année dernière et cette année, ils préféraient ce principe-là aussi. Ils se trouvaient plus performants sur les séances et moins fatigués. D'accord, oui, mais nous on a fonctionné aussi pareil hein, sur les filles cette année, sur la même chose. C'était plus pour avoir un petit peu le ressenti des joueuses, parce que nous, en tant qu'entraîneur, effectivement, pareil, on a senti que c'était beaucoup mieux, hein, que la qualité des entraînements était meilleure. Maintenant, nous, le ressenti des joueuses, c'est on se lève trop tôt et il nous manquait le jeu du soir. Parce que c'est vrai que nous, sur la Côte d'Azur et anciennement Côte d'Azur, le CRE, on faisait des formes jouées le soir et finalement, du coup, on a un petit peu moins de ballons. Et ça, nous, ça a manqué aux filles. Voilà, c'était pour ça. Donc, c'était pouvoir un petit peu le ressenti, un petit peu des,
voilà, de vos joueuses par rapport à cette nouvelle formule, quoi. Oui. Moi, j'avais une question aussi justement sur ça. Est-ce que la qualité des séances est la même du fait qu'elles durent 3h, 3h30 plutôt qu'une séance de 2h, 2h30? C'est la grande question, c'est le grand débat qu'on a. C'est le grand débat qu'on a, sachant que est-ce que la qualité aussi de l'entraîneur est la même? Oui. Moi, c'est le point que je soulevais parce qu'à un moment, on faisait des séances de 4 heures, si tu veux, on faisait venir les joueuses par demi-groupe. Sauf que moi, j'ai soulevé le point que moi, au troisième jour, honnêtement, bah, je ne suis pas efficace parce que je suis cramé à la troisième heure ou à la deuxième heure et demie. Après, sur 3 heures avec les temps de repos de l'après-midi, où il y a sieste obligatoire, etc., honnêtement, cette année, on n'a pas trop eu de déperdition. On n'a pas trop vu de déperdition, on n'a pas vu des filles trop fatiguées non plus, même le dernier jour. Donc, ça a été plutôt efficace, en tout cas, cette année. Après, à voir pour la suite. Hein. OK. Après, on a fonctionné, ouais, je ne l'ai pas précisé, mais il y a un moment où, sur les derniers stages, proche des volleyades, on avait commencé à former deux groupes. En fait, on avait de l'après-midi, on travaillait par demi-groupe, 2 heures un groupe, 2 heures l'autre groupe. Et par contre, les 4 entraîneurs étaient là, mais il y avait 2 entraîneurs en responsabilité pendant 2 heures et 2 entraîneurs en responsabilité pendant 2 heures. L'idée, c'était qu'on voit toutes les filles, qu'on voit évoluer toutes les joueuses, mais que, comme je te disais, sur 4 heures, on ne peut pas être efficace, nous, les entraîneurs, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas, en tout cas, personnellement, soyons honnêtes. On a essayé ce système-là. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on le teste et... on n'a pu le faire que sur un stage au final. Donc on ne saura pas trop. Et, j'avais une question. Et au niveau des groupes, quand vous séparez les groupes, les autres groupes restaient au gymnase, dans les dortoirs, et venaient regarder les autres ou pas? Non, au repos. Le groupe repos. Il ne s'entraîne pas être au repos obligatoire. D'accord. Et sans téléphone. Christophe, tu veux enchaîner? Ouais, alors nous, on a un peu le même fonctionnement que Franck par rapport au nombre de joueurs et le volume des stages. Alors, par rapport à l'entraînement du matin, donc nous, on a fonctionné tous les jours avec le décrassage à 7 heures. Et pour les anciens, ils ont trouvé ça beaucoup plus sympa. Alors, les garçons se lèvent peut-être un peu plus facilement. Et c'est vrai que le fait d'avoir le repos le soir, c'était quand même mieux au niveau récup. Ils étaient moins cramés à la fin des 4 jours. Donc, eux, ça leur a plu. Voilà, donc je pense qu'on continuera sur ce système. Donc, c'était pas mal. Alors, 2-3 petites choses qui diffèrent avec Franck, c'est que nous, les portables, c'est 10 minutes par jour. Et sous contrat. C'est-à-dire que, en gros, vous bossez bien, vous avez le droit à 10 minutes. Et si, malheureusement, des fois, ça arrive que les portables ils restent dans la chambre de l'entraîneur. N'est-ce pas, Violaine, hein, puisqu'après, voilà, donc c'est là-dessus. Après, nous, au niveau des entraînements, on fait pas mal de spé aussi, sur chaque stage. Donc, on prend chacun des joueurs et puis. On fait bosser SP Pass, SP Central. Donc cette année, on a eu aussi la chance, nous, d'avoir la fille de Vio, qui est venue nous filer la main sur un entraînement. Voilà, on essaie de faire intervenir des gens, de faire venir des anciens aussi, pour qu'ils parlent avec les jeunes des volleyades, comment ça se passe, pour ceux qui n'ont jamais vécu, avec une autre vision que celle des entraîneurs. Donc, ce partage est quand même sympa. Et après, nous, par rapport au groupe, un truc qui marche, alors c'est aussi l'esprit un peu canadien, Franck me dira, c'est que celui qui ne veut pas bosser, c'est son problème, mais par contre, c'est les autres qui prennent à sa place. Et donc, à un moment, tu as une émulation qui va faire que chacun va se tirer la bourre. Et s'il y en a un qui marche, comme tu as dit, les 3 pas, là, c'est lui, en gros, il prend rien. Voilà, il n'a pas envie, Par contre, les autres vont faire à sa place. Et à un moment, tout le monde va se dire, il ne faut pas le droit de marcher, pas le droit de... Voilà, donc ils se font un peu la police chacun. Et nous, ça nous soulage aussi de ce point de vue, quoi. Voilà, c'est un peu notre système
Après, c'est pareil. Sur les deux premiers stages, on fait beaucoup de travail général. On ne fait pas de spé. Très peu de collectifs. Des minimes formes jouées, mais pas 6-6. Puis après, la février, c'est vraiment la sélection. Et après, à Pâques, et ben, on travaille sur les volleyades. En février, on avait travaillé une partie équipe. Et après, on essayait de se faire 2 à 3 sets avec l'équipe 2 pour faire travailler, pour faire notre sélection. Voilà. Mais sinon, on a à peu près le même mode de fonctionnement sur, voilà, que l'Occitanie. Je pense que c'est en capacité, enfin, en volume d'entraînement, sur les conditions d'entraînement, parce que c'est vrai qu'on est quand même favorisé. Je pense, Franck, par rapport à nous à Boulouris, vous à Montpellier, c'est quand même avec 60 ballons par salle, le nombre d'entraîneurs, donc, nous on est 4 par secteur. Voilà. Après, comme tu disais, les 3 heures ou 4 heures d'entraînement, nous, il y en a 3 qui entraînent et un qui est sur le côté et qui tourne. Et après, on se remplace. C'est-à-dire que tu as le temps de... Quand tu es sur le côté, tu observes, mais tu ne manges pas une énergie quand tu lances les ballons ou quand tu es obligé de corriger. Donc, ça permet de faire un turnover qui est pas mal et de ne pas te cramer. Voilà, donc, nous, cette année, il y avait Julien Laporte qui s'en ferait juste. Il y avait Romain Jégel. Donc, voilà, il est de où ? Arles, on va dire. Non ? Il est chez toi, Gilles. Et après, il y avait Ruffin et Bagne qui est en train de. Voilà, on tournait à 4. Et après, je pense que sur le CRE, ce qui est important, c'est que les entraîneurs, alors même sur le secteur féminin, c'est que tout le monde ait la même vision des choses. Parce que tu ne peux pas dire à un gamin d'aller à droite et un autre qui vit à gauche. Voilà. Du moment où on est ensemble, on se met d'accord sur des règles de fonctionnement et à partir de là, tout le monde applique la même chose. Donc, on ne peut pas nous. On ne dévie pas de ce qu'on a mis en place au niveau des coachs. Voilà. Alors après, nous, on fait un peu, je pense, Violaine, tu confirmeras, un peu du managérat. C'est-à-dire que Violaine, sur le secteur féminin, ça n'empêche pas de faire une réflexion à un garçon s'il y a besoin, en dehors du volet. Voilà. L'intervention, c'est un staff de 8 et c'est un staff. C'est pas. Chacun pour soi, chacun son équipe, ainsi de suite. Donc, je pense que les gamins le ressentent aussi, de voir que les entraîneurs, à un moment du CRE, c'est important de fonctionner de la même manière. Voilà. Tu m'as fait penser à un truc là en parlant. Cette année, nous, on a beaucoup insisté sur le. Je pense que c'est important de le dire, sur le fait de faire verbaliser les joueuses. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne la consigne technique. Elles mettent en place, elles sont sur la situation et souvent en fait on les arrêtait. On allait voir une joueuse comme ça et on lui disait quelle est la consigne, quel est l'objectif, ton seul objectif c'est quoi. Et en fait on s'apercevait que qu'elles n'étaient pas forcément capables de verbaliser, elles étaient capables de montrer la gestuelle mais pas forcément de mettre des mots dessus. Et en fait on a beaucoup beaucoup insisté là-dessus cette année aussi. On arrêtait les séances et on leur disait, on regroupait, voilà, maintenant vous nous dites exactement ce qu'on doit faire, mais avec des mots de volleyball, verbalisation du mot, de ce qu'on est en train d'appliquer en fait. Et ouais, c'est la première année voilà, qu'on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et le soir, souvent, elles avaient un petit carnet, offert généreusement par la Ligue Occitanie, et elles devaient justement mettre un petit résumé de ce qu'elles avaient fait dans la journée, mais en verbalisant encore une fois d'être capable d'expliquer notre sport quoi, et de mettre des vrais mots. Voilà, petit détail. Moi, pour rebondir sur... Je ne t'entends plus. On t'entend mal, Bio. On l'a perdu. Ah, c'est un raf, il n'y a pas beaucoup de réseau. Hein. Un réseau qui bug. Ah ouais, c'est une ville perdue, ça, raf. Attends. Alors, j'essaie de monter le son. Non, j'arrive pas à c'est bon, là. Au moins, c'est bon ou pas ? Ouais, c'est bon, là. D'accord. Juste sur le réseau, sur le secteur féminin, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Franck. Alors, nous, ils n'ont pas de petit cahier ou de petit livret. On fait ça au niveau du comité, mais pas au niveau de la région. Par contre, pour verbaliser, c'est vrai que nous, on fonctionne par mots-clés.
Bien sûr, chaque secteur de jeu, sur chaque technique, on leur propose trois ou quatre mots-clés. Et voilà, on part de ces mots-clés pour effectivement essayer d'automatiser un petit peu la technique et qu'elles pensent à ces mots-clés systématiquement, enfin, voilà, au fur et à mesure qu'elles automatisent pour pouvoir y penser quand on travaille sur une séquence de jeu, quoi. Voilà, c'est pour rebondir sur Franck. Nickel. Clément, du coup, tu veux y aller? Est-ce que c'est un peu différent? T'es pas une ligue un peu plus petite? Oui, oui, pas de problème. Alors, au final, en fait, on se retrouve pas mal. Notre mode de fonctionnement rejoint pas mal ce qu'expliquaient Franck et Christophe jusque-là. Simplement, le contexte est un petit peu différent. Après, évidemment, tout ce qu'on va inculquer aux joueurs, les valeurs qu'a décrit Franck, et tout ça, on les rejoint à 100% et on les inculque aux jeunes un petit peu de la même manière. La différence, c'est que les effectifs, vous pouvez les diviser par deux, en gros. Donc voilà, nous, les chiffres qu'il a donnés sur les filles, nous, c'est filles et garçons confondus qu'on a ces chiffres-là, en gros. Donc évidemment, on a moins de masse. L'idée générale, c'est forcément difficile de se dire qu'on va aller jouer les premiers rôles sur les compétitions volleyade, maxi-volleyade et compagnie. Donc on essaie de trouver une balance assez équilibrée entre la formation du joueur et de la joueuse, évidemment, et de la compétition. Et on se rend compte que ça fonctionne pas trop mal. On a des gamins qui avancent bien. On en a de plus en plus qui rentrent en structure pôle à Strasbourg, à Lyon pour les garçons, à Châtenay pour les filles, à Mulhouse aussi. Donc, il y a une osmose qui se crée. Voilà. Sinon, sur le fonctionnement du centre régional en règle générale, on est un petit peu sur la même base. On a un stage de deux fois deux jours en août, un dans l'ancienne Bourgogne, un dans l'ancienne Franche-Comté, ouvert à tous, simplement un stage un petit peu de découverte où nous, on voit les gamins et puis ça permet de les remettre dans le bain du club avant la rentrée. Et puis après, stage à toutes les vacances, on fait des stages, nous, de quatre jours en règle générale. Et simplement, la nuance avec ce que font Franck ou Christophe, c'est que nous, on ne fait pas trop de décrassage le matin, par exemple, parce qu'en fait, on fait pas mal de matchs amicaux le soir. Le soir, on joue beaucoup avec les M17 garçons, M15 garçons. On invite des équipes de la région à venir jouer contre nous, des équipes de pré-national ou en fonction des générations qu'on a, National 3 qui sont pas loin. Et on fait des phases de position, des matchs complets pour préparer au mieux aux compétitions. Et on a aussi une grande différence, c'est que nous, c'est pas quelques gamins ou gamines qui jouent encore en 4-4, c'est qu'en M15, notre championnat est en 4-4. Donc on a la difficulté, on est confronté à ça, c'est que sur les premiers stages, et même du coup c'est super long d'apprendre le 6-6 à des joueurs qui n'ont jamais fait. Donc voilà, on a un petit peu cette difficulté-là où on essaye de former les joueurs et puis d'arriver vers des systèmes collectifs. On a de plus en plus, comme je le disais, de gamins qui se débrouillent quand même vraiment pas mal. Donc voilà, où on en est un petit peu. Et on a trouvé un fonctionnement qui est assez sympa, surtout sur le secteur masculin. Chez les filles, je ne sais pas trop comment ça se passe sur ce point de vue-là, mais on fonctionne beaucoup M15, M17. On essaie de croiser un petit peu les générations. Donc en fait, sur le travail technique, on met en place, on est quatre entraîneurs sur M15, M17, et on met en place des ateliers spécifiques, mais sur des thèmes. Donc soit qu'on choisit par rapport aux deux complexes, service bloc défense et réception face attaque, ou selon les rapports de force, duel attaque bloc, duel attaque défense, voilà, ce genre de choses, duel service réception. Et on fait des groupes en fonction des niveaux ou des gabarits selon ce qu'on travaille, M15, M17 confondus, qu'on répartit sur les trois terrains qu'on a à disposition. Et puis, chaque groupe passe sur les différents éléments. Et ça crée aussi un lien entre les M15 qui se préparent aux volleyades, les M17 qui se préparent aux maxi-volleyades. Mais au final, on a un niveau de jeu qui est assez hétérogène. Donc, en fait, les moins bons M17 vont se retrouver avec les meilleurs M15. Et ça permet de faire un lien qui s'est avéré plutôt intéressant sur le secteur masculin. Donc voilà. Sinon, après, dans les grandes lignes, c'est un petit peu le même mode de fonctionnement. Simplement, on a un contexte qui est un petit peu variable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, là, pour Clément? Clément ou Christophe aussi, d'ailleurs, j'étais en train de me questionner. Est-ce que tout le monde fait de tout
dans vos CRE, parce que Christophe, tu parlais tout à l'heure de SP central notamment. Nous, c'est vrai qu'on fait du SP pass dès le premier stage. Hein. On en fait tout le temps du SP pass, mais c'est le seul SP qu'on garde en permanence. Et par contre, après, tout le monde fait un peu de tout. Est-ce que chez vous, c'est pareil ou est-ce que la centrale ne réceptionne pas? Enfin, je grossis un peu le trait hein, parce que je me rappelle de l'Île-de-France, notamment bah, Manu y était à l'époque, il me semble, qui jouait sans libéraux les volleyages. J'avais trouvé ça génial. Ouais. Ouais. Génial. Alors nous, sur les deux premiers stages, on fait du SP parce que les gamins viennent aussi chercher un peu d'autres du travail, on va dire, individuel un peu plus poussé. Parce que c'est vrai qu'en club, c'est plus compliqué de faire, voilà, voire impossible pour la plupart. Mais par contre, après, les gamins passent de partout. C'est-à-dire qu'on fait le SP, par contre, dans l'entraînement en lui-même, après, avec tout le groupe, il n'y a pas de centrale, tout le monde doit être capable de faire une passe. Voilà. Moi, j'ai toujours souvenir d'arriver au volleyade en disant, tu es à 23 partout, si le central a une passe à faire sur 8 matchs et qu'il l'envoie dans les tribunes, tu peux avoir les boules. Quoi. Donc, voilà, de se faire une passe. Donc, tout le monde passe à la passe. On ne demande pas de jouer vite, on demande de jouer de la hauteur. Mais voilà, c'est-à-dire que les gamins, on les met en… si ça doit leur arriver une seule fois, celle-là, elle doit être faite. Donc, tu as le SP pass qui va durer une heure. Après, on récupère tout le groupe, on remélange tout le monde. Et à partir de là, sur les deux premiers stages, tout le monde fait un peu de tout. Donc, ça permet aussi à un gamin, un central, s'il doit faire une réception dans un match, il est capable de la faire. Enfin, on lui a donné les billes pour pouvoir la faire. C'est là-dessus. Après, au fur et à mesure, on spécialise, on va dire, un peu plus les gens. Ouais, nous un petit peu pareil. Les ateliers là, du coup, on mélange un peu M15, M17, permettent en fait à l'ensemble des joueurs de toucher à tous les secteurs de jeu. Et je trouve ça important au centre régional d'aborder quand même tous les aspects. Donc ça, on le conserve absolument. Et puis après, il y a des temps de travail spécifiques, évidemment, où on va fonctionner par petits groupes pour travailler une relation un peu plus fine entre un passeur et les centraux, travailler du SP pass, travailler du SP recept pour tout ça. Et voilà, mais des temps distincts. Et puis sinon, en règle générale, tout le monde touche un petit peu à tout. Évidemment. Moi, j'ai juste une question là à tout le monde, là, c'est ceux qui ont déjà intervenu. C'est au niveau des groupes. Comment vous faites vos groupes? C'est des groupes forts, les groupes faibles en fonction de quoi? Comment vous... Alors, nous, sur les... Pardon, sur les deux premiers stages, on met le... On mélange tout le monde, c'est-à-dire qu'on va avoir des grands qui vont faire un 90, un 95 potentiel, mais débutants ou très peu de volets. On va avoir ceux qui sont déjà bien avancés. On mélange, on fait très peu. Sur les deux premiers stages, on mélange, on ne dit pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Donc, ça permet aussi de tirer. Il faut à un moment, tu aimes bien jouer avec des gens qui sont forts. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes aussi de jouer avec des gens faibles. Et les gens faibles aiment jouer avec des gens forts aussi pour avancer. Donc, c'est-à-dire que tout le monde aimerait aller s'entraîner avec une équipe de pros. Tu acceptes aussi de bosser avec un débutant. Quoi. Voilà, c'est un peu la répartition là-dessus. Quoi. Nous, de notre côté, la question se pose un petit peu moins parce que déjà, on ne compose pas deux équipes pour partir en compétition. Mmh. Pour autant, sur la répartition au sein des entraînements, On garde notre groupe M17 au complet. Tout le monde bosse avec tout le monde, même quand on a 16 gamins sur les premiers stages. Au début, il n'y a pas vraiment de sélection. Et puis, petit à petit, ça s'affine. Mais tout le monde joue avec tout le monde. Et ce qui se passe à la rigueur, quand on a besoin d'avoir… on a très rapidement, du moins, une vision sur quel groupe on va emmener au volleyade et tout ça. On n'a pas besoin de 6 mois pour vraiment se décider. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a besoin de travailler avec notre 6 ou avec un groupe… Un peu plus conséquent, on le prend. Et puis, on met par exemple les joueurs qui ont un petit peu moins de temps de jeu habituellement ou sur le soir, qui ont un petit peu moins de temps de jeu le soir contre les équipes seniors de la région. Ils font des matchs contre les M15 qui préparent les volleyades. On essaie de garder ce lien-là, ce qui fait que les M15 ont besoin de jouer pour préparer leur volleyade. Et les M17 qui ont un peu moins de temps de jeu le soir contre les équipes seniors vont faire cette opposition-là contre les M15 pour qu'eux aussi aient du temps de jeu en situation de match.
Chez nous, chez nous, un peu comme tout le monde, hein, tout le monde reste, enfin, on mixe au départ. Après, sur les ateliers de travail, on commence à faire des petits groupes de niveau. C'est-à-dire, quand on travaille le service, quand on fait notre demi-heure de service le matin, par exemple, on a un terrain qui va être sur de l'apprentissage, très clairement. On a un terrain qui va être sur du vrai service jump float avec de la recherche de zone, de la recherche d'impact. Et le terrain du milieu qui va être un peu entre les deux, quoi. Apprentissage du jump float. Donc là, on fait des groupes. Donc là, nous, on les décide quand on prépare la séance. Et idem, quand on passe sur la recette, on change les groupes s'il y a besoin de changer les groupes. De façon à ce que quand même les meilleures réceptionneuses aient du service de qualité en face. Parce que si c'est pour avoir pour que les filles qui vont rentrer au pôle, par exemple, reçoivent des saucisses au service, c'est pas forcément très intéressant. Bien sûr, après, on fait servir les entraîneurs, bien entendu, hein, s'il y a besoin. Hein, mais voilà comment on fonctionne. Et après, pour les deux équipes Occitanie, on travaille les meilleurs sur l'équipe 1, hein, en général, bien entendu. Et sachant qu'on met un potentiel DTN, on essaie de se les répartir sur les équipes. C'est-à-dire que l'équipe 2, on ne veut pas qu'il y ait tous les potentiels DTN parce qu'à un moment, ça va manquer de fond de jeu et on ne va pas pouvoir développer de jeu du tout. Donc l'équipe 1 a ses potentiels et l'équipe 2, idem. C'est des filles qui malheureusement touchent rarement le terrain, mais par contre, on leur montre ce qu'est la compétition et on veut les garder dans le circuit du volley. Donc l'idée, c'est vraiment de les amener au volleyade si on peut. C'est pour ça que ça fait des années qu'on demande à être 12 au volleyade et non pas 10, pour pouvoir emmener encore plus de potentiel. Ouais. Nous, sur les deux équipes, la première, c'est clair, on monte l'équipe pour aller le plus loin possible. Voilà. Et l'équipe 2, on essaye d'amener. Alors, à niveau égal, on va toujours prendre un premier année. Pour justement qui voit en étant sur le terrain en équipe 2 ce que c'est le ressenti de la pression un peu des volleyades et de l'ambiance, parce que des fois quand tu rentres dans la salle où tu t'entends pas parler, c'est quand même impressionnant pour des gamins. Voilà. Après, on va prendre l'exemple, hein, cette année on a inclus un Benjamin, il a réussi à prendre sa chance. On ne s'est pas dit, il est Benjamin, on le verra l'année prochaine. Tu as été meilleur que les autres sur la sélection, tu pars. Voilà. Il y a aussi cette concurrence. Mais par contre, à niveau égal, on prendra toujours un première année vis-à-vis de la deuxième année sur l'équipe 2. Voilà. Nous, on se monte l'équipe 1 la plus forte possible. Et après, derrière, c'est. Là, cette année, sur l'équipe 1, il y avait 5 qui étaient en équipe 2 l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vécu les volleyades en équipe 2, mais voilà, ils connaissent le fonctionnement, le rythme, parce que te lever tous les jours à 6 heures pour aller au petit-déj, te battre pour 3 croissants et rentrer des fois au gymnase à 10 heures le soir sans rentrer à l'hôtel, c'est compliqué. Donc, ils ont déjà vécu ça. Bon, là, cette année, malheureusement, ils ne vont pas. Mais à chaque fois, on a entre 3 et 5 joueurs qui intègrent l'équipe 2, parce qu'on a cette chance, qui est en équipe 2 la première année et qui monte en équipe 1 la semaine suivante. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu as dit, on n'en a pas parlé tous là, c'est les Benjamins, Benjamin, Benjamine. C'est vrai que quand on les a, il y a aussi un travail de relation à faire avec les comités. J'imagine que c'est pareil chez vous. Savoir déjà si on peut les prendre sur les stages en entier, savoir comment on les gère parce qu'ils sont jeunes, elles sont ou ils sont jeunes, donc physiquement c'est pas pareil, on peut peut-être pas leur donner une charge de travail de 4 jours et demi de stage CRE où c'est intensif et super exigeant quand même, surtout à ce stage là et la semaine, peut-être 2 jours après enchaîner un stage CD, enfin comité départemental de 4 jours à nouveau. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie aussi qu'on a à gérer en tant que CRE, d'être en relation avec les comités pour le bien du jeune. Et nous ça se passe très bien. Je sais que souvent ça nous arrivait de faire 2 jours de stage CRE, les reposer 4 jours et derrière qu'ils enchaînent sur leurs 3 jours ou 4 jours de stage comité départementaux. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie du CRE pour les gens qui ne connaissent pas, quoi. Nous on connaît, mais. Ouais, c'est. Donc voilà, non, après. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait. Bon, nous, après, on a je pense que Franck ou l'Île-de-France, les Hauts-de-France, ils ont la même chose. C'est-à-dire que nous, on a un volume de gamins où on peut se permettre. On a les choix du roi, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse sur le carreau des gamins, les 4 derniers qu'on enlève.
on se dit qu'il pourrait jouer dans certaines sélections par rapport. Donc, nous, enfin, on n'est pas obligé d'avoir d'état d'âme, entre guillemets, sur une sélection. Donc, là, je vais prendre un truc. Sur le dernier stage, on a capté un gamin avec un deuxième portable. Parce qu'il, voilà, bon, il a été pris. C'est un gamin qui était titulaire en équipe 1. Bon, on ne s'est pas posé la question. On l'a viré. Voilà. C'est parce que derrière, on sait qu'on a du monde. Après, je pense que Clément, je ne sais pas combien tu as de joueurs potentiels voilà, par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a des ligues qui sont c'est plus compliqué de faire déjà des 10. Et nous, c'est vrai qu'on a les choix où tu pourrais prendre ce que tu disais, de 2 fois 12, ça tient la route. Nickel. Ouais, 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 je vois bien. Après, nous, le truc, c'est que ça fonctionne vachement par génération. En fait. On va avoir une génération qui, on se dit, en M15, ça va être compliqué, ça va ressembler à quelque chose, et en M17, par contre, ça peut être vraiment pas mal. Ou plutôt l'inverse, là, en M15, on a des petits jeunes qui ont des super aptitudes techniques, qui se débrouillent bien. Après, en M17, on sait que ça va être compliqué. Donc, ça fonctionne vachement par génération. On a des trous de génération qui sont assez importants, en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on va se retrouver pendant 2 ans avec une catégorie, avec laquelle, une équipe avec laquelle on peut espérer figurer honorablement. Et l'année suivante, on sait que ça va être très, très compliqué. Et on hésite même parfois à s'engager parce qu'on se dit là, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup ? Alors souvent, on le fait parce que c'est une expérience qui est quand même inédite et super intéressante pour les gamins. Mais dans le fond, on sait pourquoi on y va. Et voilà. Mais il y a d'autres générations où là, je prends les deux dernières avec les M17 garçons, où c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de joueurs qui jouent National 3, National 2. C'est un niveau de jeu qui est intéressant, mais par génération. Alors que c'est peut-être ça, en fait, la différence. Si, c'est la masse, évidemment, mais c'est surtout l'effet générationnel qui nous pose souci. Moi, j'ai une question un peu à vous tous. Du coup, ce que je comprends pas trop, c'est que là, on rentre quand même dans un cadre. Vous avez beaucoup parlé de qui est en équipe 1, qui est en équipe 2. On commence à spécialiser dans des groupes. Et je trouve que, enfin, pour des moins de 15 ans, je ne comprends pas, en fait, parce que là, on rentre déjà tout de suite dans un mécanisme de compétition. Voilà, on a, toi, Christophe, tu as du choix parce que tu as du monde. Donc, il va y avoir voilà, une connerie, ben, on va le virer, on va prendre un autre. Donc là, on rentre déjà dans de la concurrence, dans la compétition et dans du stress. Et du coup, la formation, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les conférences de ça, est-ce qu'on fait de la formation de masse et après, vers les pôles espoirs, on va commencer à spécialiser? Mais là, du coup, on est déjà dans un caractère de compétition, comme si les volleyades étaient une fin en soi, on dirait, dans cette répartition. Et là, ça m'interpelle un peu parce que... Là, tu vois, tu vois le nombre de gamins quand tu leur. S'il y a les volleyades, il faut en discuter avec eux, c'est un truc de fou. C'est ce que j'entends et c'est ce que déjà il y a 15 ans j'ai vécu. Mais ouais. Moi j'ai trouvé que quand j'ai commencé le volley, que je me suis retrouvée au centre régional, c'était déjà quelque chose de dingue, ça mettait un stress pas possible alors que j'étais à ma première année de volley. Que si tu n'étais pas sélectionné, vraiment. Sauf que combien l'horreur de gloire, ce sera les volleyades. Mais juste, c'est malheureux, en fait, parce que ça veut dire que ton but, en fait, c'est d'aller aux volleyades. Et voilà. Et après, c'est fini. Alors après, il y a le. Je pense que. Tu les as vécues, toi, Franck, les premières. C'était. Oui. Enfin, en gros, les premières volleyades, c'était plus de la détection pour le. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais au premier. Ouais, voilà, je pense que c'est ta génération. Mais maintenant, c'est vrai que. Alors, nous, avec l'équipe 2, ça nous permet de mettre des grands, des potentiels qui vont être opérables. Mais c'est vrai que sur les volleyades, tu n'y vas pas pour. Faire juste acte de présence, c'est devenu une compète parce que une compète à part entière. Et voilà, soit après on repart sur les premières années où c'était on prend que des potentiels futurs, mais là c'est devenu une compète et c'est vrai qu'il y a un stress pour voir les gamins, c'est le
C'est vrai que certains ne feront que les volleyades, mais c'est la compète clé pour eux. Voilà, moi, si je peux... ça veut dire qu'à 14 ans, une fille qui n'arrive pas, qui n'est pas bien dans sa vie ou dans sa famille, qui n'arrive pas à gérer ce stress-là, et si elle ne peut pas faire ses trucs, bah après, elle va arrêter le volley, alors que peut-être qu'elle a un potentiel parce qu'elle n'a pas été sélectionnée dans l'équipe 1 pour les volleyades et qu'elle va se dire que ce n'est pas la peine, alors que peut-être qu'elle a un potentiel ou pas. C'est justement notre boulot, Saïda, de justement ce, parce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le potentiel, justement, ce que tu es en train de dire. C'est que la gamine, si aujourd'hui elle a un potentiel, notre rôle en tant que, qu'éducateur et sélectionneur pour les volleyades d'un CRE, c'est justement d'accompagner cette joueuse, de l'amener justement à la compétition pour justement ne pas faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'elle arrête. C'est clairement le but. Nous, l'année dernière, on a une fille qu'on amène au volleyade. Elle est incapable de mettre les pieds sur le terrain. Et elle les a mis. Parce qu'avec l'équipe 2, moi, voilà, je l'ai fait jouer dans des moments où... non, on n'a fait que des 2-1. Il n'y a pas un moment où on était facile, en fait. Mais en fin de set, tu vois, quand tu es un petit peu large ou à l'inverse, l'adversaire est large, ben voilà, c'est le moment de... Ben, vas-y, feu. Et elle a fait ses premières armes. Et cette gamine, ben, aujourd'hui, on l'a encore. On l'a encore, alors que bah, c'est une basketteuse, elle vient du basket. Elle a... Enfin, justement, c'est à nous d'être capables de garder ses potentiels. Et c'est une fille qui a été repérée d'ETN, forcément. Parce que c'est 1m85, où il y a des bras bah, qui dépassent les genoux. Enfin, c'est... Mais du coup, faut que tu sortes dans ces moments-là, il faut que l'entraîneur arrive à sortir de « je dois gagner mes volleyades cette année » ou de... Enfin, parce qu'il y a... C'est plus simple pour ceux qui ont deux équipes. Oui, oui. L'équipe 2, il y a 2 ans, on prend un gamin qui sortait, qui avait été repéré en UNSS, qui s'est inscrit en club une semaine avant de venir au CRE parce qu'il fallait qu'il soit licencié. Le gamin, il est monté avec nous sur les volleyades. Il est rentré, il a dit c'est bon, je me suis régalé et je vais. Voilà, il était c'était un mec du badminton. Il est sorti des volleyades, il ne pensait que. Il s'est régalé, il a joué, il a vu et maintenant il est mordu de voler. C'est-à-dire que après c'est pareil, c'est sur l'équipe 2. Voilà, donc mais tu les accroches là-dessus. J'en avais discuté avec Jocelyn Trion et Wayne, enfin, peut-être que tu disais que Kevin Leroux, c'est pareil, il a mené, c'était et maintenant tu sais, enfin, ça lui a plu l'ambiance, le. Donc peut-être que du coup les volleyades pour la plupart des gamins c'est un support pour continuer et c'est pas il va y en avoir très peu qui vont arrêter. Moi j'en connais pas des masses quoi. J'en connais même dans notre région les gamins. Voilà. Non, ceux qui peuvent... C'est cohérent mais j'ai juste posé la question un peu sur les limites de ce côté vraiment compétition si jeune. Après t'as l'équipe 1. Nous on a eu le cas cette année là. Il y a un gamin qui disait, je préfère partir cette année, qui était première année, qu'on voulait prendre en équipe 1. Il a dit, je préfère aller en équipe 2 être titulaire que de j'entends l'année prochaine pour être sur l'équipe 1. Tu vois, c'est vrai que l'équipe 1, par contre, il va pour le, entre guillemets, pour la gagner, hein, pour performer le plus possible. Voilà. Après, l'équipe 2, justement, ça va être les potentiels, ceux qui sont repérés DTN, on en emmène aussi, parce que certains qui font... qui sont référencés potentiels DTN, bah des fois ils sortent d'un club où ils ne passent même pas le premier tour de Coupe de France quoi, en club. Voilà, donc ça leur permet aussi de faire une grosse compète avec. Enfin, je sais pas quel souvenir t'en gardes des volleyades, mais moi j'ai des gamins. Moi c'était typiquement ça. Hein. On m'a emmené, alors je mettais un pied devant l'autre. J'ai dû rentrer. Je sais pas, chaque dernier point de chaque match, un truc comme ça. Et du coup, j'en garde pas un souvenir extraordinaire. Ouais. Non, c'était pas. Après, c'était un peu différent parce que c'était la deuxième année. Je sais pas si ça s'appelait déjà comme ça. Si, non, si, c'était les nades. Oui, voilà. Et l'année d'avant, l'Alsace avait fini championne de France. Et du coup, il y avait encore cette super génération. Mais par contre, voilà, il m'avait pris alors que j'étais moins bien. Techniquement que d'autres filles plus petites ou avec moins de potentiel et des filles qui derrière bah, ont arrêté ou... donc voilà mais c'est pas quelque chose qui où j'en garde un souvenir au contraire ça me stressait énormément ou... voilà.
Mais c'est pas. En fait, là, c'était vraiment pas une question par rapport à mon expérience, parce que je sais que maintenant, les voléades ont pris réellement un autre. Mais quand l'été dernier, quand j'ai fait avec Franck la détection nationale, en fait, ça ne parlait que de voléades. Quand on a fait une soirée culture volet, toutes les questions qui m'étaient orientées, c'était est-ce que tu as fait les voléades ? Est-ce que, enfin, ça me parlait que de voléades. Et je me dis, mais non, c'est pas une fin en soi, les voléades, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est, rien, les voléades. C'est une grosse étape. Tu vois, championnat du monde, un truc, non, c'était les voléades, quoi. Donc, je me dis, est-ce que c'est un conditionnement qui est tout de suite au CRE, on parle que de ça dès le début, ou je me dis, comment on rentre dans un... Alors, après, je ne sais pas, chez Franck, comment ça se passe, la passation, on va dire, entre les générations, mais quand tu rentres, enfin, nous, on le voit, parce qu'on a pas mal de frères, on prend des frères, on a les suivants 2-3 ans après. La première chose qui est sur les discussions, c'est au fait, voilà, si tu fais, moi j'ai fait quatrième ou j'ai fait champion, toi derrière, les gamins, ils s'auto-mettent la pression en disant, alors je sais pas dans Occitanie ou sur Paris comment ça se passe, mais ils se tirent la bourre de génération en génération. En gros, voilà. Après, c'est une ligue qui, avec les clubs qu'il y a dedans, voilà, c'est un. Ça a toujours été une émulation, on va dire. Alors après, ça peut être négatif pour certains. Hein. Mais c'est vrai que les gamins, ils sont. Voilà. Les voléades, c'est leur première grosse compète. Donc finalement, ce n'est pas du tout les entraîneurs qui sont obsédés par ça. C'est les générations d'avant. C'est tout ce qu'ils ont déjà vécu qui vont créer. Après, je pense sincèrement que tu as une partie formation. Voilà, on fait la formation. Je pense qu'on essaye de faire le mieux par rapport à la DTN. D'être rigoureux sur un gamin par rapport au potentiel, les entrées au pôle. Voilà, je ne pense pas qu'on rate beaucoup de monde par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est quand même bonnard quand tu vas avec une équipe, que tu les as eu à chaque vacances. Je veux dire, la récompense, elle est pour eux, mais toi, tu dis, voilà, tout ce qui est. Nous, on est un peu récompensé de l'investissement, du travail d'équipe, enfin sur les entraîneurs. Quand tu as une visibilité sur cette compétition de ton travail de l'année. Enfin, Et puis c'est le travail sur formation, il va peut-être manquer. Moi, je pense que c'est surtout le travail d'un staff. Quoi. C'est-à-dire que même les. Je pense que à chaque fois que tu gagnes, tu mets aussi les entraîneurs de l'équipe 2 parce qu'ils ont poussé les gamins de l'équipe 2 ont poussé les gamins de l'équipe 1 pour avoir leur place. Enfin, tu vois, c'est là-dessus, c'est pas que la récompense de deux entraîneurs, c'est la récompense d'un staff. Après, moi, j'irais encore plus loin, je dirais c'est aussi la récompense des clubs. Parce que nous, les accords, on les a 20 jours dans l'année, les gamins ou les gamines. Si elles arrivent, si le travail est suivi, etc., c'est pas nous qui le faisons. Nous, on construit un collectif, on va les aider techniquement, on va peut-être leur apporter un peu plus, comme disait Christophe tout à l'heure, mais on a plus de temps. Sur un stage, tu as le temps de faire du spé qu'on n'a pas le temps de faire en club. Tu as le temps de développer des habiletés qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire en club. Et puis l'avantage, c'est qu'ils s'entraînent avec des filles ou des garçons qui sont les meilleurs de leur région. Donc forcément, ça les fait progresser. Mais pour moi, il ne faut surtout pas oublier le travail qui est fait en club, qui est récompensé aussi par ces voléades, quoi, aussi. Tu as des gamins en club, ils vont s'entraîner au centre régional une matinée, c'est ce qu'ils s'entraînent la semaine en club. Enfin, c'est deux fois une heure et demie en club, avec 12 ballons qui traînent, pop ballons, ce sont des créneaux d'une heure et quart, une heure et demie. C'est vrai que c'est des conditions. Là, les gamins, ils s'entraînent l'équivalent de 2 mois, à notre rythme, à notre. Voilà, donc c'est. Et en termes de rigueur, comme tu disais, Christophe, c'est-à-dire qu'au CRE, tu rentres dans le moule, tu n'as pas le choix. En club, c'est toujours pareil. C'est est-ce que je peux pas vraiment lui rentrer dedans à mon meilleur ou machin parce que j'ai peur qu'il s'en aille et voilà, il parte au club d'à côté. Et s'il part dans le club d'à côté, mon équipe, elle se casse un peu la figure. En CRE, on n'a pas ce problème-là. Donc, ils sont là pour s'entraîner et c'est vrai qu'on bosse. On bosse dans des conditions idéales, quoi. Enfin, surtout nous, les de France, les PACA. Idéal. Moi, je ne sais pas si, en fait, juste,
vous parlez de l'idéal chez vous, c'est les 35 gamins, tout ça. Nous, on est à 60 filles, par exemple, sur tous les stages. Entre 60 filles et 60 garçons, ce qui fait 120 personnes sur deux gymnases. Tu vois, je ne sais pas si tu t'imagines le délire de l'Île-de-France. Tu vois, ce n'est pas si idéal que ça, l'Île-de-France. Parce que du coup, il y a beaucoup de monde. Et la politique qu'on a eue là, sur les deux dernières années, c'était de faire que du développement et de la formation. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on fait deux fois podium, enfin deuxième, en filles et en garçons. Mais la vraie politique du truc, c'était de faire vraiment que de la formation et du développement et ne quasiment pas parler de sélection jusqu'au dernier stage, quoi. Et du coup, c'était assez complexe en termes de gestion là-dessus. Tu vois, c'est pour l'idéal du truc. Et je reviens, moi, sur ce que disait Isaline, sur l'intérêt des volleyades et ce trop gros intérêt et pour nous et pour les gamins qui se mettaient dans un état de pression. Enfin, alors nous, en Île-de-France, c'était de la pression. Il n'y a pas trop ce truc des frères et des sœurs chez nous. Parce qu'on en a peut-être moins, alors, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, les volleyades, la plupart ne les connaissaient pas quand elles arrivaient. Là, surtout quand on est passé sur les M14. Elle connaissait les mini-volleyades, mais c'était pas une compétition hyper importante. Et nous, on a essayé un petit peu de désacraliser cette compète-là. Après, pour revenir sur l'Île-de-France, là, juste 5 minutes, on a le même fonctionnement que vous. On ne va pas se voiler la face, on fonctionne tous de la même manière. Nous, on ne fait pas de décrassage. Enfin, quand j'y étais, parce que je ne sais pas ce qui s'est fait cette année, mais l'année dernière, on ne faisait pas de décrassage le matin. On nous l'avait proposé et... c'était trop compliqué en gestion à 120, en fait. Ouais, pour réussir à caler tout le monde, en fait, par rapport aux heures d'entraînement, tout ça, c'était... Tu vois, s'ils couraient à 6h30, mais qu'ils s'entraînaient qu'à 11h, on ne comprenait pas trop l'intérêt. Donc ça, on ne l'a pas du tout fait. Après, on est beaucoup d'entraîneurs. Par contre, on a... Alors, je vais parler sur les filles, hein, mais c'est l'identique sur les garçons. C'est qu'on a deux référents, entraîneurs référents, qui s'occupent de tout ce qui est sélection en amont et de l'administratif et après de l'entraînement sur les... Sur le stage, on a 6 entraîneurs, parce qu'on fait 6 équipes du coup. Enfin, on fait 6 groupes de travail, de 10 à peu près, avec, ouais, c'est une usine. Et après, 6 adjoints en plus, quand on arrive à les avoir. Alors ça, c'est l'idéal, c'est quand tout se passe bien, c'est ça. Donc, ça veut dire 2 entraîneurs sur chaque groupe, plus le référent qui passe et qui prépare avec tous les entraîneurs en amont. Donc, voilà, et sur comment on a structuré. Depuis 2 ans, ce n'était pas comme ça avant, c'est que ça a changé les 2 dernières années. On avait décidé de faire que de la formation technique individuelle le matin, sur n'importe quel thème, mais pour tout le monde, pour tous les groupes. L'après-midi, l'adapter en formation jouée, et le soir, par contre, venir sur du jeu collectif orienté sur ce qu'on avait travaillé le matin et le midi. Donc, c'était un petit peu ce que l'objectif de notre patron, c'était de ne faire que du développement et de la formation. Donc, sans parler de compétition, même si les opôles soir, on ne les faisait pas, ça ne le dérangeait pas parce que l'objectif, c'était de former. Et c'est de là qu'est venu le jeu sans libéraux. Hein. Pour revenir sur Franck, voilà, on avait décidé en termes de formation qu'à 15 ans, est-ce qu'on avait déjà des libéraux présents ou pas, que ce n'était pas obligatoire, voilà, pour nous. Donc, du coup, on a fait travailler comme ça sur tous les stages. L'année dernière, on devait partir sans libéraux. Et là, on a eu une contrainte avec l'âge qui se décale de toute petite qu'on n'aurait jamais pris au volleyade si on ne les avait pas postées en libéraux. Quoi. Et parce qu'elles étaient meilleures en réception que les autres. Hein, faut pas... Et du coup, on a décidé de les prendre en libéraux et de remettre des libéraux. Qu'est-ce que je voulais dire un truc sur... Donc voilà, oui, pardon. Pour revenir sur Isaline, du coup, en fait, sur les 6 groupes, après, en Île-de-France, il y a les TIJ, donc Tournoi International de la Jeunesse. En fait, l'objectif, c'était de proposer aux 6 groupes une compétition, qu'importe laquelle. Et du coup, tu vois, on n'a pas mis de piédestal jusqu'au dernier stage sur les volleyades ou sur les TIJ. On a essayé de ne pas donner de numéro à nos groupes, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que du coup, ouais, l'équipe 1, enfin, on cherchait des noms, les groupes cherchaient leurs noms, enfin, c'était un peu compliqué. Et c'était aussi super compliqué en termes de création de collectif final. C'est-à-dire que là, si tu reviens sur la compète, juste avant les volleyades, on n'avait pas d'équipe, quoi.
Donc, il a fallu créer au dernier stage le collectif. Et ça, pour nous, c'était… Alors, entraîneur, si tu veux, quand tu fais une compète, tu as envie de gagner malgré tout. Donc, c'était assez compliqué pour les entraîneurs et les entraîneurs adjoints de réussir à se positionner dans cette formule-là, en fait. Et voilà, sur l'Île-de-France, c'est vraiment assez compliqué. En plus, ça change tous les deux ans, pour ne pas vous mentir. Parce qu'on change de CTS ou de CTR, je ne sais pas comment on dit. CTR tous les deux ans. Donc, ouais. Après, on est vachement aidé par le pôle de Châtenay où il y a Yves et Serge qui travaillent avec nous tout au long de l'année. On ne va pas se mentir, on est vachement aidé. Et l'objectif aussi de la Ligue, c'était de former nos entraîneurs sur ces stages-là. C'est-à-dire qu'on prenait six adjoints, c'était ou des entraîneurs en formation ou des DE en formation. Donc, c'était vraiment essayer de développer en fait toute la base d'entraîneurs de la Ligue là-dessus. Donc, voilà un petit peu sur ça. Et on a essayé plein de trucs. Hein. On a essayé le préparateur mental, les ostéos avec nous. Enfin, je ne sais pas si vous les avez vécus hein, quand on était une ribambade au Goélo où on était 12. Enfin, c'était voilà. Après, on est revenu là, sur les deux dernières années à de la simplicité, malgré tout, en termes d'entraînement et de formation. Sauf que on avait, notre patron nous a dit les volleyades, ce n'est pas une compétition. Pour gagner, c'est une compétition pour montrer nos jeunes. Donc, quand on est revenu là-dessus, alors on était d'accord ou pas d'accord, hein, ça c'est chacun. Mais du coup, ça a recentré un petit peu le débat de formation et on s'est beaucoup plus impliqué, je pense, et tous les entraîneurs compris, sur la formation individuelle du joueur. Et le retour qu'on a des clubs, c'est que il y a eu un réel intérêt en termes de structuration de la ligue complète en prenant les clubs à l'intérieur de ça. Parce que du coup, on filmait tous les entraînements techniques qu'on envoyait aux entraîneurs. Enfin, c'était vraiment un vrai objectif de formation. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait l'Île-de-France, mais la complexité, c'est le chiffre et le lieu. Voilà. Parce qu'on a que deux gymnases, 120 gamins, avec d'autres stages à côté qui sont du foot, du truc comme ça. Enfin, c'est un peu une usine à gaz. Tu vois, si on va manger à midi, des fois, tu attends pendant une heure pour manger parce qu'il y a la queue, quoi, au crêpe. Tu vois, on n'est pas si facile que ça, quoi. Je repensais avec Isaline à ce que tu disais sur la pression. Pour en rajouter une petite couche, nous, quand tu es en CRE Occitanie féminin, tu es entraîné par l'entraîneur du pôle Espoir de Montpellier et l'adjoint du pôle Espoir de Montpellier, en plus. Pression supplémentaire. Après, je dis pas, il faudra à un moment donné la gérer, sauf qu'on sait très bien qu'une grande gigue qui met pas un pied devant l'autre et qui vient de commencer le volet, si en plus tu rajoutes ça, c'est juste un peu cette crainte de la perdre, alors que tu peux peut-être, tu vois, alors que deux ans après, une fois qu'elle sera à l'aise techniquement, elle peut exploser. Donc, mais bon, comme tu as dit, c'est le boulot des entraîneurs à ce moment-là de la garder. Dans le coin et de pas la laisser partir ou de la rassurer ou voilà. Nous, après, tu vois, là-dessus, Isaline, on avait Serge. En fait, on avait décidé au sein de la ligue que Serge, qui était le responsable de Paul, au cas où si les entraîneurs ne voulaient pas choisir des futurs potentiels ou quoi que ce soit, avait le droit d'imposer une ou deux joueuses dans chaque collectif. Ce qui permettait, tu vois, au cas où, parce qu'il fallait prévoir selon les entraîneurs. Et s'assurer que tu vois les potentiels soient toujours là si Serge pouvait les voir en fait. Et les autres en général, vous commencez à parler de compétition en avril sur le dernier stage ou vous en parlez dès le début ou... Nous ils arrivent à la journée de sélection en septembre parce que nous notre journée de sélection on enlève ceux qui ont fait les fins. On ne récupère pas ceux qui ont fait les volleyades puisqu'on les connaît, donc ça permet d'accueillir plus de monde. Mais ils sont déjà branchés, comme on a beaucoup de joueurs de Cannes, de Marseille. Voilà, donc les gamins, ils sont… Alors chez nous, on va dire, ils sont programmés. Quoi. Pour eux, c'est… Enfin, voilà, je te dis… C'est pour ça que vous gagnez sûrement. Hein ? C'est pour ça que vous les gagnez sûrement. Après, le fait de les gagner, tu as toujours une part de chance. Hein, parce que… Voilà. Tu sais jamais comment ça va se boucler par rapport au tirage, par rapport à ton état de forme du moment. Mais c'est vrai que les gamins, ils sont, voilà, ils,
ils sont programmés pour aller au volleyade et pour faire la, on va dire, la plus grosse perf possible. Voilà, après tu gagnes, enfin, tant mieux. Après, tu sais jamais sur quelle génération tu vas tomber. Voilà, on a vécu des matchs PACA Occitanie ou Languedoc Côte d'Azur. Voilà, ça, la pièce elle tourne vite de l'autre côté, c'est pareil. Ouais, c'est... Mais les gamins se programment pour aller le plus loin possible. Après. Alors nous, au niveau de la sélection, par contre, à l'inverse, on fait venir les filles qui ont fait les volleyades, tout simplement par comparaison. Pas pour nous, hein, parce qu'on les connaît, comme tu le dis. Par contre, pour les filles qui ne sont pas sélectionnées, de se rendre compte pourquoi je ne suis pas sélectionné. Enfin, les filles, les parents aussi. Parce que c'est toujours pareil, hein, ma fille, c'est la meilleure sans club, nanana. Bon, on les a tous, hein, mais... voilà, ça permet de, ça permet d'avoir un outil de comparaison. Enfin, nous, c'est notre politique. Il y a juste souvent les filles qui rentrent en pôle qui sont peut-être pas forcément là en fonction de la date et de, voilà, par rapport au temps de récup, etc. C'est plus ça. Mais sinon, les filles ou les, je crois qu'en garçon, ils font pareil. Hein, et les garçons qui ont fait les volleyades reviennent. Et ouais, du coup, les filles qui rentrent en pôle, tu les reprends au centre régional? Tu t'occupes pas plutôt d'autres? Tu les gardes, celles qui rentrent en pôle? Ah, c'est une bonne question. Alors nous, on en a vécu une cette année dans la sélection qui était au pôle de Montpellier. Cette fille-là n'a fait qu'un stage sur les trois. Un pour lui donner. Quoi l'intérêt du coup? Si elle est déjà en pôle et qu'elle s'entraîne déjà avec un niveau et avec des filles plus âgées. Et donner de la garder avec nous, pour pouvoir performer l'équipe. Ah voilà, donc c'est compétition. Oui, non, mais c'est clair, hein. Enfin, Isaline, tu. Ouais. Non, mais je suis dans les bisounours. Ouais, on va peut-être redescendre. Nous, cette année, on avait deux mecs du pôle de Cannes. Donc, le premier stage en octobre, on les récupère pas. Ça libère deux places. Et puis, eux, le fait de s'adapter à un autre rythme en pôle, voilà, ça permet aussi de récupérer. Par contre, après, on les récupère. Voilà, donc il y a des années, on en a quatre du pôle. Cette année, on en avait deux. Voilà, c'est. Puis ça leur donne aussi des responsabilités parce qu'ils montrent l'exemple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que je suis d'accord. D'un autre côté, je viens pour m'entraîner, entre guillemets, tout le monde me regarde parce que je suis au pôle et donc c'est-à-dire que normalement, je suis au-dessus. Donc, il va falloir que je sois un peu rigoureux dans ce que je fais. Enfin, voilà. Il y a aussi le passage de témoin et voilà, l'image que ça donne de ne pas dire, ah, putain, il est au pôle alors que c'est une. Tu vois, nous, l'année dernière, ils nous ont le patron nous a interdit d'avoir des gamins de pôle. Ben jusqu'au dernier moment, c'était pour tout le monde au départ. Non, ça, c'était au maxi volleyade. Au volleyade, moment, c'était interdiction pour les filles et garçons qui étaient au pôle de faire les volleyades. Ouais, nous, c'est resté comme ça. Nous, on a attendu, mais par contre, l'année dernière, on avait quatre. Après, si on reprend en fait la base des. Alors, nous, on l'a accepté ou pas, mais parce qu'on trouvait ça dommage pour la gamine qu'elle ne vive pas les volleyades, mais parce qu'il n'y en avait qu'une. Mais voilà. Après, si on reprend l'objectif premier des volleyades qui est de la détection, est-ce qu'ils n'ont pas raison, tu vois, en termes de. Voilà. Ceux qui sont au pôle sont déjà détectés. Donc, tu vois, on a discuté un petit peu entre entraîneurs et quand tu reprends la base du truc et que tu relis un petit peu, tu te dis oui, en fait, ils ont raison. Pas de gamin du pôle, c'est déjà détecté. C'est pas qu'une compète, c'est surtout un aide pour la DTN, quoi, tu vois. Les volleyades, enfin, les détections nationales à la base, donc, qui ont duré 2 ans, c'était ça. C'était repérer. Tu venais avec des grandes ligues qui ne savaient pas jouer, mais la gamine faisait 1m85 ou 1m90. Les garçons. Voilà, tu repérais. Après, c'est devenu une compétition à part entière. Et voilà, ça a changé. Donc, alors après, tu avais tous les entraîneurs nationaux qui étaient présents sur les 4 jours de compète. Donc, tu avais toute la palanquée qui tournait dans les salles. Donc, on les voit moins. Enfin, on les voit que sur les stages régionaux. Tu les vois plus sur la compète même. Donc, c'est vrai que c'est devenu une compète. Voilà. Je suis désolé pour toi, Isaline, hein, mais moi, le premier. Non, mais moi, le premier. J'ai pas d'avis tranché, j'essaie de comprendre un peu.
Ouais. Voilà, est-ce que le fonctionnement est pareil dans toutes les régions ou voilà, Manu il dit bah voilà mon patron, son objectif voilà. C'est que la formation. Dans une autre région c'est autre chose. Et donc il y aurait pas quelqu'un là-haut qui devrait accorder les violons de tout le monde parce que la fusion entre le PACA, PACA c'est Côte d'Azur et Provence. La première question ça a été est-ce qu'on fait, comment on s'organise au niveau des entraîneurs, au niveau des sélections. Est-ce qu'on fait 50% en Provence, 50% Côte d'Azur voilà. Et ça a été clair, ça a été, sur l'équipe 1, on prend les 10 meilleurs et basta. Quoi. S'il faut être 10 de Provence cette année-là, ben, ce sera 10 de Provence. Enfin, et nous, devant les gamins, on ne parlait plus de Provence et de Côte d'Azur. Hein, c'est vrai que ça a été... Nous, c'est beaucoup ça, c'est vous préférez tel endroit, enfin, telle zone. Mais c'est vrai que sur l'équipe 1, voilà, entre guillemets, on fait la meilleure équipe possible. Après là, sur un petit truc, nous, là-dessus, là, sur la perf des 10, on a beaucoup discuté avec Serge et Yves là-dessus, qui sont les responsables du pôle. Et on avait dit les 6. Donc, les 6 meilleurs en équipe 1, ça, on ne va pas se voiler la face non plus, on le fait. On prend les 6 meilleurs à la fin. Mais par contre, le 7e n'était pas meilleur que le premier de l'équipe 2. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait les 6 meilleurs qui étaient en équipe 1, les 6 autres meilleurs qui suivaient en équipe 2. Le 7e de l'équipe 2 serait 7e en équipe 1. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, histoire de ne pas mettre en fait, les 4 bons qui pourraient jouer en équipe 2 être titulaire sur le banc en équipe 1. Tu vois, c'était un petit truc que voilà, Serge nous avait demandé, qu'on n'avait pas trouvé ça en fait complètement débile. Au contraire, tu vois, l'objectif c'était de donner du temps de jeu aux gamins et comment ils pouvaient apporter au mieux dans leurs équipes. Donc c'est vrai que ça, par contre, tu vois, sur la sélection, les 12 meilleurs étaient répartis dans les deux équipes 1, enfin l'équipe 1 et l'équipe 2. Et après, on faisait monter en fait, le 7e de l'équipe 2, on montait en équipe 1, etc., etc. Donc, ça permettait… C'est pour ça que tu te retrouves… Alors, j'en ai discuté après, mais c'est pour ça que tu te retrouves en finale ou en demi à regarder ton banc et dire « mince, qu'est-ce que je vais faire rentrer ?» Parce qu'en fait, elle n'est pas meilleure, elle ne peut pas apporter. Quoi. Donc, ça, c'était un vrai choix politique, mais qu'en termes de jeu, la gamine qui était 7e de l'équipe 1, elle aurait… quasiment pas joué, à part les moments un peu chauds ou quand tout va bien. Alors que là, elle a fait toute sa compète où elle a joué toute la compète titulaire sur l'équipe 2. Après, je reviens sur un truc, Isaac. Tu parlais de développement, de choses comme ça. Enfin, je pense que sur le CRE, on travaille des choses, on apporte des choses supplémentaires aux joueuses par rapport à ce qui est demandé par le haut niveau féminin. Enfin, là, je parle de féminin. Ouais. Mais tu vois, de la réceport de l'axe, par exemple, avec travail d'ouverture, chassé, toutes ces choses-là, c'est pas des choses que tu bosses beaucoup en club. On va pas te mentir, en club, c'est beaucoup je me déplace et je vais chercher le ballon dans l'axe au maximum possible, machin, etc. Nous, c'est des choses qu'on a peut-être plus le temps de travailler au CRE. Et peut-être que les entraîneurs de CRE sont souvent des entraîneurs qui connaissent le haut niveau, les niveaux pôles, les niveaux... je ne sais pas, pour le Pôle France, même s'il faut. Mais je pense qu'il y a une petite compétence qui est un peu supérieure parce que c'est souvent des professionnels qui sont là-dedans, alors qu'en club, tu as souvent des bénévoles qui n'ont pas forcément toutes les billes, etc. Donc, je pense qu'on apporte quand même notre partie développement à toutes les joueuses présentes, pas seulement aux meilleures. Mais c'est hyper intéressant de voir, même vous, là, qui venez de différentes régions, c'est hyper intéressant de voir que... Des fois, c'est des politiques qui viennent du CTR. Des fois, c'est des politiques juste par celui qui va coordonner tous les entraîneurs de la région. De voir qu'il y a d'autres... Non, c'est... Parce que moi, je prends ça un peu en brut. Et du coup, on peut sentir les... Ce n'est pas du tout des divergences, mais on peut sentir les orientations des uns et des autres. Mais nous, c'est politique tout court. Comment ? Nous, c'est politique tout court. Oui, voilà. Ce qui est super intéressant, c'est que de toute façon, dans ces stages-là, tu apprends à t'adapter avec des coéquipières que tu croises juste 3 jours à chaque vacances. Donc, toutes les règles de vie, tout ce qui amènera aussi en pôle ou au niveau, ou pas, juste des règles d'éducation et de vie que tu vas pouvoir transcrire ailleurs. Et dans tous les cas, tu vas apprendre des choses supplémentaires que ton entraîneur, que tu vois tous les jours,
que tu vois toutes les semaines et où tu travailles toujours la même chose. Donc ça, c'est évident que ça va de toute façon développer. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai pas d'avis par rapport à ça. C'est juste hyper intéressant de voir la compète, développement, voilà, les différentes. Après, faut pas oublier la grosse partie de développement individuel qu'il faut pas oublier. Parce que la vie de groupe, le fait d'être sans papa, maman pendant 4 jours et demi, puis tu vis des trucs juste extraordinaires pour les filles. Enfin, moi, je sais que même pour une équipe 2, parce que moi, depuis qu'on est Occitanie, je prends l'équipe 2 parce que voilà, moi, ça m'éclate une équipe 2. Et puis, je laisse la place aux entre guillemets, meilleurs devant les entraîneurs de pôle. Mais voilà, les filles, elles vivent des moments, mais enfin, quand tu les vois après sur Insta, sur machin, elles ne parlent que de ça, mais pas forcément du résultat. Bon, quand tu as le résultat avec, bien sûr que c'est encore plus exceptionnel, mais c'est surtout le moment humain qu'elles ont vécu, quoi. Ça crée des liens de. Ouais. Non, mais c'est évident que ça a créé des émotions, ces moments-là, et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Hein. C'est pour ces moments et ces souvenirs qui sont créés. Moi, je n'ai pas de grands souvenirs des contenus du CRE, par contre, j'ai des souvenirs des dortoirs, des moments de vie, de partage. Je veux bien que pour ceux qui étaient au Voliade l'année dernière à Vitrolles, là, quand. Alors que les demi-finales étaient passées, tout le monde savait à peu près la place. Tout le monde savait la place qu'il allait jouer. Quand tout le monde est arrivé au réfectoire, c'était piste de danse. Les gamins, ils ont. Et quand tu discutes avec les gamins, c'est pas on a gagné ou c'était le samedi soir. Et voilà, c'est le souvenir. C'est ça, c'est d'avoir mis dans le réfectoire, d'avoir dansé, d'avoir que toutes les équipes. Il y avait Occitanie qui avait perdu en demi, mais les filles, tu avais l'impression qu'elles. Si tu ne connaissais pas leurs résultats, tu te disais, mais c'était fini. Mais heureusement, à la limite, ça veut dire qu'à 14 ans, elles ne sont pas non plus. Les souvenirs qu'elles ont gardés. La perf. Ben, voilà, c'est. On a pu croiser avec telle ligue. Alors après, ça, c'est autre chose. Je pense que les entraîneurs, le fait de se voir depuis pas mal de temps, je pense que l'ambiance aussi. C'est quand même pas mal amélioré sur les Voliades par rapport au fait de discuter. À un moment, c'était un peu. Tout le monde se regardait un peu en chien de faïence. Où c'était un peu, et maintenant, voilà, tu discutes. C'est beaucoup plus sympa, on va dire, depuis 3-4 ans maintenant. Je ne sais pas comment tu le ressens, Franck, toi, du côté féminin. Mais... Ouais, enfin, moi, je. Enfin, moi, après, j'ai jamais eu de problème avec personne, perso. Non, mais pas avoir de gros problèmes. Mais... Non, mais oui, j'ai bien vu qu'il y avait des tensions. Moi, quand je suis arrivé au tout départ en CRE, notamment les Languedoc, à l'époque, j'étais Languedoc, les Languedoc Côte d'Azur, c'était la guerre, quoi. C'était la guerre froide. Mais des entraîneurs, hein, pas des gamines. Enfin, quoique. Ça redescend sur les gamines et sur les gamins, de toute manière. Voilà, c'était ça. Alors que maintenant, Thomas, le fait de Arnaud et tout, le fait de se connaître depuis pas mal d'années, voilà, les gamins voient quoi, tu discutes normalement, tu bouffes ensemble, les entraîneurs se mettent ensemble à la même table pour manger, ça aussi, passer un cap, ça fait, je pense aussi, faire un cap. Au contraire, même c'est maintenant le grand plaisir des Voliades, c'est ça, c'est ce moment de partage, à revoir tout le monde, ce que Chafik a créé aussi, hein. Mais voilà, c'est ces moments super agréables qu'on passe. Non, nous aussi, on garde plein de souvenirs. Enfin, en tant qu'entraîneur, voilà, je ne sais pas. J'ai juste une question. Lors du renouvellement des stages, comment vous faites les entraîneurs sur le contenu des séances? Vous le faites ensemble ou alors il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça? Ou alors vous faites des contenus, c'est tous ensemble? Alors nous, au niveau que PACA, on bosse ensemble. C'est-à-dire qu'on se répartit entraînement par entraînement, un secteur de jeu, et on fait tourner les gamins. On décide d'un contenu, et après, chacun prend. Il y en a un qui va prendre la réception, l'autre qui va prendre le contre, le service, et on fait tourner, et chacun, on tourne à l'intérieur. C'est-à-dire que tu ne vas pas te faire que du centre pendant 4 jours. Voilà, aujourd'hui, c'est toi qui prends le centre, demain, ce sera moi. Et on fait tourner pour justement se changer. Voilà. Mais on garde un exercice, un thème spécifique à chaque fois par entraînement. Voilà. Et on prépare tous ensemble les séances. On se fait des réunions très tard. Voilà, dès qu'on peut, on se fait des réunions bilan, des réunions. Voilà.
Alors nous, cette année, au niveau de l'Occitanie, on a déjà fait une planif de la saison en amont. On s'est réunis le staff chez Philippe Talvon. On a très bien mangé d'ailleurs. Donc on a planifié toute la saison par rapport à ça, comment on voulait travailler, etc. Donc sous la tutelle de Philippe, hein, qui paterne tout ça. Et ensuite, ben, un peu comme en PACA, hein, comme j'ai dit, nous, hein, chaque matinée, il y avait du service de la récepte. C'était vraiment planifié par temps et par thème. Et chacun prenait son thème. Par exemple, moi, si j'avais la récepte, je préparais ma séance et ensuite, je la présentais aux autres. Et ensuite, bien sûr, on en discutait, etc. Caro pouvait préparer le service à ce moment-là. On en discutait ensemble et on faisait améliorer la préparation de chacun. Mais chacun préparait un petit peu son thème. Et sur les spé, on faisait que du spé pass, comme on l'a dit. Et à chaque fois, en fait, on gardait un entraîneur pour qu'il y ait un suivi sur la semaine. En fait, par exemple, si c'était Nico le responsable spé pass avec moi le premier jour, le lendemain, il restait soit Nico, soit moi, et un autre entraîneur faisait le deuxième. Et on tournait comme ça. Mais qu'il y ait toujours un suivi quand même. Donc, on gardait à chaque fois une personne. Mais voilà, sinon, on a toujours préparé ensemble les séances. Ouais, nous, un petit peu pareil. Hein. En Bourgogne-Franche-Comté, on fonctionne un petit peu de la même manière. On est deux par catégorie et par genre. Je vous parlais des ateliers tout à l'heure, quand on mixe M15, M17. Là, on travaille vraiment. On se répartit les secteurs de jeu. Et puis après, les gamins passent certains temps sur chaque atelier. On reste sur notre atelier avec les évolutions. Et puis après, quand on est chacun sur nos objectifs. Nous, en tout cas, avec les M17, on fonctionne comme ça. On prépare les séances ensemble. On a les planifications de stages qui sont prévues en amont. On échange dessus. Et puis voilà, on a quelques directives un petit peu qui tombent de notre CTS ou du responsable de stage. Et puis après, chaque entraîneur, je pense, fonctionne bien en binôme. Ça donne, c'est aussi la richesse du centre régional. C'est qu'il y a forcément un certain nombre de cadres présents pour encadrer les gamins. Et c'est d'autant plus riche dans le partage, dans les échanges et puis dans les feedbacks qu'il va y avoir pour les jeunes sur différents secteurs. Nous, on a fonctionné un peu différemment cette année. On a planifié toute la saison aussi fin août. Par contre, sur chaque stage, on a mis deux secteurs de jeu prioritaires. Au mois d'octobre, c'était service récep. On travaillait tous les secteurs du jeu, mais en l'occurrence, ces deux secteurs-là étaient prioritaires. On a fini par bloc attaque en février, parce qu'on a trouvé qu'il y avait des grosses lacunes. Nous, en Bretagne, je pense que c'est un peu partout pareil, mais chez certains joueurs, il y a vraiment des gros manques. Et du coup, on voulait axer deux secteurs prioritaires. Donc, tout le monde tournait aussi à tous les postes, hein, les centraux passaient à la passe. Comme disait Christophe, hein, j'ai vécu les dernières volées d'un central qui foire sa passe. Du coup, on s'est dit, on va réinsister là-dessus parce que c'est vraiment trop important, et parce que le joueur en club, il joue peut-être central, mais nous, c'est peut-être un poste 4 au volleyade. Donc, il faut aussi qu'on apporte aux joueurs et au club des astuces, des conseils pour qu'ils puissent progresser. Après, je voulais revenir sur les potentiels. Là, Isaline, t'en parlais tout à l'heure. Nous, en Bretagne, là, la Ligue, ils ont décidé de créer des stages IAFBOU, ils les appellent. Et en fait, c'est pour tous les néo-pratiquants. Donc, ils ont un an de licence ou moins, voire deux. Et un maximum dans la catégorie minime première année. Donc, ce sont que des grands. Et en fait, ils font deux stages. Ils font Noël et février. Ils sont avec le groupe, mais ils sont sur un terrain à part. Donc, ils sont 8-10 généralement. Ils travaillent qu'entre eux parce qu'ils ont besoin d'apprendre des fondamentaux techniques parce qu'ils ne les ont pas, les termes de motricité, coordination. Et généralement, ces joueurs-là, on les retrouve sur le CRE la saison d'après. Et ils font les volleyball la saison d'après, généralement. Pas tous. Il y en a qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas aimé le volet ou parce que ça ne leur a pas plu. Mais ouais, à chaque fois, on a un groupe de 8-10 première année débutants et grands pour qu'ils puissent évoluer à leur vitesse. Je voulais revenir aussi vite fait sur les joueurs de pôle. Nous, cette année, on avait trois joueurs de pôle qui avaient fait les volleyades l'année dernière, donc qui étaient dans l'équipe 2. Nous, on souhaite que les joueurs de pôle viennent pour aider les autres, en fait. C'est un exemple pour eux. C'est eux qui amènent la rigueur, c'est eux qui amènent le travail. Et puis les autres, ils prennent exemple sur eux. Et nous, c'est super important. Alors, je sais qu'ils sont déjà identifiés et peut-être qu'ils prennent la place d'autres joueurs, mais ils les aident. Et outre la performance, la gestion du stress, la gestion des émotions, tout ce qui se passe dans la tête d'un jeune, eux, ils l'ont déjà vécu, ils le vivent au pôle et ils partagent énormément avec les autres. Et pour nous, c'est hyper important de garder ces joueurs-là.
c'est des joueurs cadres dans l'effectif. C'est pas forcément les meilleurs joueurs, parce que des fois c'est des grands qui sont débutants, mais ils sont quand même au pôle. Mais pour autant, et voilà, ils apportent de la sérénité au groupe, ils savent comment on fonctionne, parce que nous on est au pôle à Dinard aussi, donc on a une super structure d'accueil. Donc les gamins qui sont déjà au pôle, ils connaissent tous les lieux, ils connaissent l'entraîneur du pôle, et voilà, ça aide beaucoup pour nous de garder ces joueurs-là avec nous. Moi, j'avais une question, du coup, c'est aux autres entraîneurs de CRE. Nous, voilà, on planifie comme ça sur les secteurs, vous, jamais, ou vous avez un fil rouge ou pas? Nous, ouais. Casso, non, on ne prend pas de fil rouge sur les stages. Après, des fois, ça nous arrive de faire un prévisionnel d'entraînement. Et au bout d'une journée, en fonction du groupe, ça part et on recommence à zéro, enfin, presque à zéro. Quoi. Donc, voilà, on essaye, mais on va dire une fois sur deux, le programme change. Voilà, on se met. Donc. La même chose. Voilà, c'est souvent. C'est pas du travail à perte, hein, mais voilà, on sait très bien qu'on est capable de rechanger. Voilà, d'une après-midi à une autre, d'une séance à une autre, s'il y a des besoins d'annuler, de repartir sur un secteur qui est, si on pense qu'il est catastrophique pour la plupart, on enchaîne là-dessus ou on arrête. Voilà. C'est vraiment très aléatoire. Voilà, donc on prévoit rien trop en avance, mais voilà, on fait un prévisionnel qui n'est pas prévisionnel. Donc, sur le Grand Est. Sur le Grand Est, on a un fil rouge, ça faisait suite aux dernières volleyades. En fait, on a fait des statistiques sur les deuxièmes touches de balle, deuxième contact en manchette. Et on s'est rendu compte que sur tous les ballons qui arrivaient de notre côté, donc que ce soit réception, défense ou relance, il y avait un tiers de balles qui étaient jouées en deuxième touche manchette, donc de la passeuse ou pas. Et sur ces un tiers de ballons, donc sur une compétition, c'est quand même une grosse quantité, il n'y en avait qu'une sur cinq qui était bonifiée. Une manchette, une deuxième touche en manchette sur cinq qui était bonifiée, donc attaquable derrière. La plupart du temps, la balle était rendue, même pied au sol, par les filles. Donc, sur la saison qui vient de s'écouler, on a mis ça en fil rouge sur tous les stages, le deuxième contact en manchette, et on l'a même mis en fil rouge dans tous les exercices et tous les thèmes abordés. C'est-à-dire que même si on travaille le contre, il y avait à un moment une balle qui apparaissait en sortie de bloc, une deuxième touche contact manchette à jouer. Voilà. On en a fait une des priorités dans nos CRE. Alors malheureusement, on ne pourra pas savoir si ça fonctionnera, si ça a fonctionné, mais voilà, c'est le fil rouge technique qu'on a mis. On a un deuxième aussi qu'on a mis, mais là c'est plus de l'ordre préventif. On a constaté sur les joueuses que sur les frappes d'attaque et de service, elles étaient beaucoup de face. Il n'y avait pas cette ouverture. Et donc, au niveau du dos, notamment du bas du dos, ben, il y avait des petits soucis. Donc, voilà, on a fait aussi, dès qu'il y avait de la frappe, on a insisté beaucoup sur ce travail de l'ouverture épaule-bassin. Quoi. Voilà, ça, c'était les deux axes qu'on mettait énormément sur les CR. Nous, en Ile-de-France, Serge nous demandait d'avoir un fil rouge comme ça. On était beaucoup sur l'ouverture d'épaule. Sur les filles, après sur les garçons, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais d'essayer d'avoir, on va dire, un fil rouge par stage, quoi. Un thème. Après, on planifie par contre, nous, à l'avance, avant chaque stage, on sait qu'est-ce qu'on va faire, là, vu la quantité de monde, on sait à peu près ce qu'on va faire à chaque fois. Et pour éviter, là, ce que tu disais, pour les réunions qui finissent très tard, parce qu'on s'est rendu compte que les entraîneurs KO, ce n'était pas non plus. Hyper terrible, tu vois, le quatrième jour, tout le monde est cramé. Et donc, on essayait en fait de se réunir à l'avance, enfin avant les stages, pour essayer de créer en fait les entraînements et les thèmes avant. Qu'on adapte obligatoirement, hein, on a tous changé, hein, mais d'essayer d'avoir au moins la base déjà faite. Quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, juste une petite dernière là. Vous n'avez pas parlé des entretiens là. Vous le faites ou pas? Des entretiens en fait stage. Alors nous, même fiche bilan qu'on fait, qui a été créée par Guillaume Servageon,
avec. Donc, si vous la voulez, vous pouvez le contacter via Facebook, il vous l'enverra. Donc, dedans, il y a tout ce qui est combativité, savoir-être, savoir s'entraîner, motivation et tout. Et donc, on remplit ça à quatre. Les entraîneurs, on se met d'accord, on remplit chaque fiche. Donc, c'est pour ça que c'est aussi un peu long de remplir. Et puis après, on prend les gamins en entretien individuel. Donc, ils savent s'ils sont repris, pas repris, pourquoi. Voilà, on essaie d'avoir un peu leur ressenti. Et donc, on fait les entretiens individuels de chaque gamin. Donc, les deux premiers stages chez nous, puisqu'on a plus de 100 gamins. Donc, on a deux groupes d'entretien. Et voilà, donc ça. C'est bien d'avoir aussi un retour, que ce soit sur la nourriture, sur les conditions d'internat, sur comment ils ont ressenti le stage, surtout pour ceux qui viennent pour la première fois. Et certains, ça leur fait bizarre. Ah, mais on s'entraîne aussi cet après-midi? Oui, oui, on s'entraîne. Bon, voilà, c'est. Voilà, donc. Nous aussi, on fait entretien individuel. On fait une fiche bilan dans laquelle on met un bilan du stage, le ressenti des entraîneurs sur le joueur. On échange avec lui et on joint les axes de travail prioritaires à travailler en club à l'issue du stage. Après, c'est fait ou pas fait, mais en tout cas, ça donne des pistes. Et nous, on a pas mal d'entraîneurs qui sont assez friands de ça parce que ça donne un autre regard, un autre avis. Et on met aussi l'évolution des prises de perte physiques, ce que les gamins aiment bien, et puis ça permet d'établir un petit suivi. Donc voilà, on en découle ce genre de choses. Alors chez nous, quand il y a les 35 là, sur les premiers stages, honnêtement, non, il n'y a pas d'entretien individuel. Bien sûr, on parle avec les jeunes quand on les croise dans les couloirs, etc. Hein, ça c'est évident, on discute du stage. Après, quand on se sépare en les collectifs, quand on a notre groupe avec Luc, nous, on leur fait par contre un entretien individuel et on envoie au club un compte-rendu individuel. Sachant qu'en fait, nous, on leur donne déjà un premier papier à elles, aux joueuses, avec chaque secteur, passe, attaque, réception, communication, nanana. Et en fait, c'est à elles de nous dire ce qu'elles ont eu comme feedback sur le stage. Elles, avec quoi elles ressortent du stage, en fait. Je me fais comprendre ou pas? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Ouais, c'est... Donc, en gros, nous, en plus, ça nous permet de... si jamais on a oublié quelques petites choses, ça nous permet en plus d'axer notre entretien. En fait, on récupère le petit papier en amont et après, on en rediscute avec Luc et après, on voit la joueuse et ensuite, on envoie un compte-rendu au club. Enfin, nous, on fonctionne comme ça sur notre équipe, mais encore une fois, hein, quand on en a 15-16, quoi, pas plus. 35, franchement, c'est une usine à gaz. Hein. Pas autant qu'à Paris, qu'en Ile-de-France, mais si on doit faire tous les comptes rendus écrits et tout, franchement, c'est wow. Par contre, bien entendu, on est à l'écoute des entraîneurs. S'ils nous appellent, bien entendu, on est là pour... Enfin, ça, ils le savent, hein, les familles, les entraîneurs sont... Nous, pareil, écoute, on fait une fiche bilan à tout le monde, mais dès le début, surtout sur l'axe, peut-être pas bilan, on fait un bilan indiv, mais plus sur les axes de formation. Même au début. Et après, par contre, tu vois, nous, on envoie aux entraîneurs, au club, et la gamine part avec la fiche. Tu vois, histoire de... Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tu pouvais envoyer au club et les entraîneurs, ils ne le recevaient jamais. Donc, on a essayé d'avoir à chaque fois les contacts sur les entraîneurs et d'essayer d'avoir ce lien-là. Alors, surtout en Ile-de-France, où c'est hyper compliqué. Il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes... Tu vois, tu peux vite rentrer dans des choses qui sont un petit peu dommages, surtout qu'on partait sur de la formation. Donc, c'était vraiment compliqué là-dessus. Par contre, après, ça, dès que c'est ancré, tu discutes beaucoup plus avec les entraîneurs, dès que tu les connais bien. Et c'était important de mettre le lien à chaque fois avec l'entraîneur. Entraîneur, et puis du coup, nous, ce qu'on a fait aussi depuis quelques temps, maintenant qu'on a pas mal de gamins qui rentrent en pôle, c'est que les gamins de pôle qu'on a en stage, parce que nous aussi, on les convoque, on leur fait aussi un bilan qu'on fait suivre aux entraîneurs de pôle. On essaie de créer un lien entre eux et nous, qu'on ne voit pas forcément souvent. Et ce lien peut être intéressant. Et section sportive, pareil. On en a quelques-uns qui ne sont pas en pôle, mais qui sont en section volet à Besançon. Et,
et on fait aussi suivre aux responsables de la structure pour qu'ils voient l'évolution du gamin. Est-ce que nous, on en dit comment il s'est comporté aussi au final, parce qu'on parlait des responsabilités des joueurs de pôle tout à l'heure et tout ça. Et ben, même principe avec les sections sportives. Ça permet aux entraîneurs des sections et des pôles de voir un petit peu comment leurs joueurs se comportent aussi sur des centres régionaux et quels aspects ils mettent un petit peu en avant. On fait pareil, on fait des bilans individuels avec chaque joueur à chaque stage. Par contre, on fait les bilans pendant le stage. Dès le deuxième soir, on commence les bilans avec les joueurs pour savoir pourquoi ils ne sont pas trop performants en ce moment, est-ce qu'ils se sentent bien ou pas, est-ce que tout ce type d'infos. Et par contre, nous, on n'annonce pas aux joueurs s'ils sont pris ou pas au prochain stage. Parce qu'on ne sait jamais, un joueur peut faire des bêtises dans son club et du coup, au niveau comportement, on ne le reprend pas. Et y a des nouveaux joueurs qui arrivent et on ne sait pas, on ne les connaissait pas, donc on n'annonce rien aux joueurs. Ils découvrent la liste en même temps que les autres, ils peuvent être dessus ou pas être dessus, mais il n'y a pas d'annonce particulière avec eux. Est-ce qu'il y aurait encore des questions ou est-ce qu'on va pouvoir clôturer? Au moins, Chafi qui sera content. Vas-y, Gilles. Ouais, moi, j'avais une question. Vous avez parlé au début des stages d'été. Je voulais revenir un peu dessus, savoir si ça s'était bien passé, si ça a été bénéfique pour les gamins, si ça va être reconduit, parce que ça a un coût quand même, hein, un stage de plus, ça a un coût pour la Ligue, donc est-ce que la Ligue veut prendre en charge ce stage en plus et voilà, savoir si c'est bénéfique pour les gamins, quoi. Alors, très clairement, quand c'est un stage complètement différent des autres, ouais, comme tu fais bien de souligner. Qui connaît à ces stages-là? Alors, ça sera reconduit, tout simplement parce que déjà le cahier des charges fédérales te demande 20 jours de stage sur un CRE, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant nous on était sur 4 stages, trois jours et demi, plus volleyade. Donc on ne rentrait pas vraiment dedans, donc maintenant on rentre dedans avec ce stage. Ça nous permet de brasser, c'est très mal dit, ça nous permet de voir beaucoup plus de joueuses et de joueurs, parce qu'avant en fait on était vite sur de la sélection, on va dire, enfin beaucoup plus vite sur de la sélection. Là tu peux te permettre de faire maintenant 3 stages à 35, 36, ce genre là parce qu'en fait nous on est parti du principe qu'en Languedoc avant ils prenaient 24 joueuses par stage au départ, que nous en Midi-Pyrénées on prenait 24, ce qui nous faisait 40, et déjà maintenant on n'en voit plus que 35. Donc par rapport aux deux anciennes ligues, déjà on perd de la masse, enfin on perd de la masse qui profite des stages, on va dire. Mais du coup, ouais, ce stage d'août nous permet de voir quand même plus de monde plus longtemps et de faire profiter des stages CRE à plus de joueurs dans notre ligue. Donc ouais, efficace. Après, les filles arrivent en août dans des conditions physiques ou dans des conditions techniques. C'est de la reprise. Donc ouais, c'est complètement différent, mais maintenant on le sait. On s'y attendait, hein, mais maintenant on le sait clairement et du coup on s'adaptera pas cette année parce qu'on ne pourra certainement pas. Il y a peu de chances qu'on puisse faire un stage en août avec les problèmes sanitaires. Mais à la base, on avait prévu de le faire. Ouais. Donc le groupe est totalement différent en août et après du premier stage en octobre. Du coup, nous là c'était le même. Ça a été quasiment le même, sauf les filles qu'on n'avait pas pu voir en sélection en juin, qu'on a pu greffer, rajouter, mais on n'a pas de mémoire, on n'a pas sorti de filles du stage d'août. On a gardé tout le monde. D'accord. Enfin, on est resté sur du stage de masse à Toussaint et à Noël. Donc pour vous, c'est plus un stage supplémentaire pour les filles plutôt que pour voir plus de personnes. Non, c'est plus un stage supplémentaire. Si on a rattaché, allez, cette année, on a dû rattacher 4 filles en cours de saison qu'on n'avait pas vues sur les journées de sélection, mais que des clubs nous ont appelés, nous ont dit, écoute, il faudrait peut-être que tu vois cette fille, passe la voir, machin. Donc on passe les voir soit en championnat, soit en club. Et puis ça a été l'occasion de rajouter des. Enfin, de faire profiter de stages et puis d'autres joueuses, quoi. Disons que la sélection n'est pas fermée aux journées de sélection. Officiellement, oui, mais voilà, il y a toujours des filles qui progressent d'un coup, qui arrivent dans le volet au mois d'octobre, novembre. Voilà, c'est pas complètement verrouillé, quoi.
Nous, Gilles, là-dessus, on avait décidé de faire deux stages en juin et en août. On reprenait 40 et 40, je crois, gamines. Et l'objectif, c'était surtout de ne pas voir celles qu'on avait déjà vues. Donc, on essayait, en fait, alors c'était un peu compliqué parce qu'il faut aller les chercher, les gamins, malgré tout, pour en avoir 40. Parce que l'objectif, c'est d'en avoir 40 pour que ça soit rentable. Ça, c'est le patron qui le décide. Et alors, ça arrive d'en prendre 2-3, tu vois, qui sont vraiment, ou qui étaient plus faibles en termes de technique, mais avec potentiel qu'on prenait en plus, mais qu'on connaissait déjà. Sinon, l'objectif, c'était de prendre que des filles qu'on ne connaissait pas. Ou les néo-pratiquantes, tu vois, de la fin d'année, qu'on n'avait pas vues de l'année d'avant, même si elles n'étaient pas sélectionnables l'année d'après. Tu vois, donc c'était... Après, c'est parce que la politique était que de la formation et du développement. Voilà, il faut recadrer les deux. Quoi. Joueuses dans la Ligue en M15 sur l'Île-de-France ? J'ai pas compris. Il y a combien de joueuses dans la Ligue ? En totalité ? En M14 maintenant ? Ouais, bah ouais, pour faire 2x40... Ouais, bah écoute, on a fait 38 au premier stage et 36 au deuxième. Ouais, il y a du monde. Ouais. On les trouve, après, c'est compliqué. Enfin, t'as pas que de la qualité, quoi. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Mais pour les gamins, en termes de formation, on a pris des petites gamines de petits clubs où l'entraîneur n'était que bénévole, pas formé. Tu vois, je pense que c'est un vrai truc de développement. Et après, c'était le projet de la Ligue de travailler là-dessus. Moi, je trouvais ça intéressant, tu vois, d'offrir... d'offrir les mêmes conditions pour les gamines de volleyade que pour les autres gamines de la même génération. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de questions ? S'il n'y en a plus, Isaline, une question ? Je te taquine. S'il n'y a plus de questions, du coup, on va clôturer, sauf s'il y en a qui veulent encore parler un petit peu, mais il est midi, après Chafi qui va nous gronder. C'est ça. Il voulait un thème, on lui a sorti le thème. Hein. c'est clair. D'accord. C'est clair. Bah, écoutez, alors moi je vous dis au revoir à tous. Ouais, ça va, tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. À bientôt, merci à vous. Au revoir, merci. Allez. 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 Bonne continuation à tous. Salut, merci beaucoup. Ciao. Hein? Retour. Tu t'es réveillé, Alain ? Oui, non, mais je suis là depuis. Hein. Ouais, j'ai vu ton message. Bah, y a encore le CN, ils sont encore pas mal de choses à dire. C'est ah ouais ? Intéressant. Ouais. Bah, c'est bien ça. Allez, un petit saut pour vous dire bon appétit et puis bon week-end, si je ne vous verrai pas demain. Bah, ce soir, quand même. Ce soir. Ouh, j'ai loupé un truc ce soir. Avec, je ne suis pas inscrite. Avec Sylvano. Ah oui! Attends, je vais m'inscrire. J'ai zappé le. Et d'ailleurs, tu parles quelle langue, Isaline? Trandito. Je parle quelle langue? Je parle juste l'anglais, le français et je comprends l'allemand. C'est tout. D'accord. Non, on va mettre en place, on va tester cet après-midi l'interprétariat. Parce que comme on a des Bulgares et des Italiens qui vont être là. Ouais, ah ouais, c'est... non, moi je traduis pas en anglais, je suis pas assez bonne. Hein. Je parle l'anglais à l'entraînement, mais ça fait beaucoup rire mes coéquipières d'ailleurs. Parce que je fais de la traduction littérale, tu sais, j'ai la pensée en français, j'ai la phrase en français. Ouais. Du coup, je la balance en anglais telle quelle, quoi. Ok. Ah, pas de souci. Ouais, bah, tout à l'heure, tu t'inscris, ouais. J'ai mis le lien. Merci. J'ai remis le lien. C'est Manu, c'est toi qui as enregistré ? Ouais, je t'envoie ça dans l'après-midi. Ok. Au plus vite. Pas de soucis. Ok. Allez, bye. Merci. Bon après. Allez, salut tout le monde. Salut. Julien. Ben, Julien est parti. Salut. Salut Alain. À tout à l'heure. Julien là, c'est ça ?